Bon, alors c'est à moi que revient l'honneur de d'ouvrir cette première des deux journées organisées par Éric Alonso au titre de l'Observatoire de la condition suburbaine, qui est l'équipe de recherche de l'école, et cette journée est placée sous l'égide de l'unité mixte de recherche au CER. Euh, pour nous, donc, euh, c'est très important, euh, car euh, cela survient au moment même où euh, l'école devient membre fondateur d'une nouvelle université, l'Université Gustave Eiffel, et euh, que dans son cadre, euh, l'Observatoire de la conduction suburbaine en devient une composante recherche. Euh, si je dis que c'est important, c'est parce que dans le même temps, euh, cette journée, euh, comme euh, plusieurs autres qui arrivent là d'ici la fin du premier semestre 2020, euh, illustre notre volonté de travailler de façon plus étroite avec euh, l'UMR et en même temps euh, rejoindre le monde universitaire, donc l'enseignement supérieur euh, et, et le MESRI, enfin, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Euh, je souhaite euh, que, enfin, devant vous en tous les cas, exprimer que cela n'a rien de contradictoire. Pour nous, euh, ça, cela va dans le sens de renforcer la recherche architecturale. Et urbaine, et euh, cela nous y tenons euh, au titre de. Je, je, je représente l'école, ces instances, et euh, ça nous paraît très important. Euh, donc je vous souhaite la bienvenue, bien sûr, à l'école, hein, cette école qui est la vôtre. Euh, je, voilà, euh, il se passe régulièrement des choses, des conférences, des journées d'études euh, et euh, des jurys qui sont intéressants. Donc vous serez tout le temps euh, les bienvenus. Euh, je devais passer la parole à christiana Amazzoni euh, qui, ben, qui est malade comme euh, beaucoup en cette période, euh, qui devait parler donc de l'UMR euh, au C'est euh, Paul Landauer qui va se substituer à elle. Euh, je profite également de ce moment euh, pour vous présenter ben, tous mes meilleurs voeux. Euh, je vous souhaite à tous beaucoup d'épanouissement personnel, professionnel et un bon travail euh, cette journée et puis celle qui euh, devrait arriver euh, le 24 mars avec euh, encore plein d'intervenants euh, stimulants. Je me rends compte que je n'ai même pas donné le titre de la journée d'études, qui est l'héritage des SIAM, mais je vois que ça a, été, ça a évolué un petit peu. Et c'est donc Italie 1952-1966, la trajectoire de Vittorio Grigotti comme prisme. Voilà. Bonjour à tous. Quelques mots, je ne vais pas être long, pour présenter l'UMR au Cerf. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'UMR OCR c'est donc une unité mixte de recherche qui a deux tutelles, le ministère de la Culture et le CNRS. Il y a quatre composantes au-delà de l'OCS, qui est donc le laboratoire de notre école. Il y a l'ACS, qui est une, un laboratoire de l'école d'architecture de Malaké. Il y a l'ATEP, qui est une, un des laboratoires de l'école d'architecture de Paris-La Villette. Il y a euh, Lipros, qui est le laboratoire de l'école d'architecture de Paris Belleville. Il se trouve que l'UMR démarre le 1er janvier ou euh, le 2 janvier euh, 2020 un nouveau euh, cycle, un nouveau programme, avec euh, trois axes. Et ces deux journées d'études qu'organise euh, Eric Alonso s'inscrivent dans ce troisième axe. Et ce troisième axe, je vais vous le lire. Il s'appelle Culture, Savoir, Médiation et Production Architecturale. Et donc, euh, ce, cet événement est tout à fait fondateur et tout à fait important pour euh, l'UMR Auxerre. Et je tiens une fois de plus à excuser euh, Christiane Amazzoni, qui a été euh, contrainte de rester chez elle puisqu'elle est malade. Elle m'a appelé ce matin et m'a demandé euh, si je pouvais présenter l'UMR Auxerre au pied levé, ce que je viens de faire. Je vous souhaite une excellente journée et un bon travail. Merci Paul. Euh, donc je, à mon tour de, de, de remercier l'école d'architecture d'avoir organisé l'événement, euh, l'OCS, euh, les ingénieurs de recherche de l'OCS dont euh, Paul Boué qui, qui a aidé à l'organisation. Et puis euh, effectivement je regrette l'absence de Christian Amanzoni qui, euh, qui m'a incité à organiser ces journées d'études. Euh, puisque, et je salue son excellente intuition, car l'annonce de la problématique a suscité un tel engouement qu'on était parti sur une journée, et on va en organiser deux. La seconde donc, aura lieu le 24 mars, et vous êtes tous invités à y assister. Et nous avons également décidé de la publication d'un livre à l'issue de, euh, de ces échanges. Alors, un mot sur. Euh un mot sur ces journées. Alors, peut-être je vais commencer par vous donner, pour avoir, vous avez le programme de cette de, la, de cette journée d'aujourd'hui. Pour vous donner un panorama complet euh, des deux jours, je vous indique les, les interventions de la de la prochaine fois pour vous, pour vous donner une idée qui sont encore sous réserve. Donc, il devrait y avoir Andrea Gritti qui est euh, professeur au Polytechnico de Milan qui viendra parler de la conquête de l'échelle dans l'architecture urbaine du paysage en Italie 1960-1965. Uh, Federico Giadato qui, qui est présent dans la salle et qui parlera d'Enzo Paci, euh, le Il cuore della città ou la nouvelle dimension de la ville, euh, qui est doctorant euh, à OCS. Euh, Enrico Chappelle, euh, également présent ce matin, euh, professeur à l'école de, de Toulouse, qui parlera de Giancarlo Di Carlo et le débat sur la città regione en Italie 1962-1966. Clément Aurillard, notre voisin de l'école d'urbanisme de Paris, qui parlera de quelques circulations entre Kevin Lynch et l'Italie, notamment à travers la figure de Gino Valle. Et euh, également Claudia Zanda du Politecnico de, de Milan, qui parlera de Pietro Porcinai et l'émergence du paysage dans l'Italie des années 50 et 60. Enfin, euh, Fosco Lucarelli, qui est présent en partie dans la matinée, nous parlera euh, probablement de la question du, de, des quartiers et à travers les opérations INACASA et la e 4e, la 4e, 4e congrès, c'est ça, d'urbanisme de 52. Alors, Clément Aurillard qui arrive, accompagné. <laughs> voilà. De Ginoval. non. Euh, et puis Julien Correa. Euh, qui euh, nous parlera de d'Aldo Rossi aussi dans un cadrage qui sera précisé à l'issue de cette journée. Voilà. Alors euh, la petite modification de la de la journée, c'est donc l'absence donc de, de Christiana. Euh, bon, euh, qui fait qu'on je pense qu'on arrivera à boucher le trou euh, par les retards cumulés et peut-être on donnera un petit peu de place à euh, un peu plus de temps à Marco Biragi euh, pour sa conférence alors euh, pour ma part je vous euh, propose de, de, donc de, de rappeler l'origine de ces, de ces deux journées et de là la, la problématique qui va nous occuper. Il y a environ maintenant deux ans, dans la perspective des, des 20 ans de l'école d'architecture de la ville et des territoires, je, je proposais au comité de rédaction de, de Marne document d'architecture de retraduire l'un des plus célèbres textes issus de la, de la théorie architecturale, qui traite explicitement du territoire, euh, qui est donc euh, le, le fameux texte La forme du territoire, publié par Vittorio Gregotti en 1966. Et vous pouvez voir en, à droite, en avant-première, une hypothèse de, de couverture du prochain et tant, 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 tant attendu volume de, de Marne. Euh, pour accompagner cette nouvelle traduction que, que j'ai menée avec Olivier Gaudin, ici présent, que vous entendrez en fin de journée, nous voulions, conformément à la, à la tradition de, de Marne, présenter au, au, au lectorat non seulement la fortune de ce texte, dont les prolongements ont nourri le projet fondateur de cette école, c'est une hypothèse qu'on qu développe à la fin de ce texte, mais aussi en expliquer la genèse et le contexte de sa, de sa production. Alors, nous savions que nous allions devoir pour cela revisiter la scène italienne des années 60, qui est l'une des plus prolifiques de la pensée architecturale de la seconde moitié du XXe siècle, puisque parmi les trois ouvrages majeurs parus en cette année 1966, deux en sont issus L'architecture de la ville d'Alderossi Rossi et Le territoire de l'architecture de Gregotti, dont le chapitre 2 est justement la version augmentée de la forme du territoire. Paru juste avant dans Edilizia Moderne. Alors, l'historiographie de, de l'architecture du XXe siècle identifie ce foyer comme celui d'un renouveau de la pensée architecturale et urbaine, un front de rupture avec la pensée moderniste et fonctionnaliste des Siam, parallèle à celui que le Timten menait de l'intérieur. Ce, ce renouveau et cette critique, aux accents fortement culturalistes et historicistes, se fonderaient. Euh, principalement sur la redécouverte des formes de la ville ancienne, à l'image des études pionnières de euh, Saverio Muratori sur Venise, euh, dans les années Venise puis Rome, en 59-60, et puis euh, celles euh, jusqu'à celles plus tardives de, de Carlo, Aimonino, Aldorossi et Consort sur Padoue, dont le livre est publié en 70. Contributions qui ont rejeté les bases en France de ce qu'on appellera la, 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 la typomorphologie, et, et, et euh, voilà que Christiana, euh, donc Christiana pense que la, que le, la, la soudure typomorphologie serait spécifiquement euh, française, là où les Italiens euh, détachaient ces deux expressions, même tout, tout en les associant. Euh, dans ce prisme. Euh, Gregotti semble proposer en 1966 un angle relativement inédit, en s'intéressant non pas à la ville, mais au territoire. Là, ici, la couverture de la, de la première version de ce texte paru comme éditorial de la revue Idélicia Moderne. Dans euh, son ouvrage, La coupure entre architectes et intellectuels et les, ou les enseignements de l'italophilie, qui a été... Euh, notre Bible, euh, au démarrage de ce travail, euh, Jean-Louis Cohen écrivait en 1984 à ce sujet, Grégotti prolonge au-delà de la ville les axes de coordonnées qui permettent la lecture des objets architecturaux. Il y aurait donc d'abord un intérêt architectural pour la ville constituée qui aurait été extrapolé dans un deuxième temps par Grégotti à l'échelle du territoire. Mais en creusant ce sujet, la généalogie des idées et des influences est apparue un peu plus complexe. La, la trajectoire intellectuelle de Vittorio Grigotti et de ses années de formation jusqu'à l'apparition de son livre de, en 1966 servira ici de fil conducteur. Alors, euh, Grigotti ne rejette pas en bloc l'héritage des congrès internationaux d'architecture moderne, au contraire. Il considère le thème introduit par euh, le huitième congrès le, sur le cœur de la ville. Comme fondateur, dit-il plus tard, il le dira plus tard, pour les 40 années suivantes. C'est-à-dire non seulement les années 50-60, mais jusque dans les années 90. Donc. Voilà. Donc à la naissance de cet intérêt renouvelé sur la ville, il y aurait les SIAM, quoi. Les, 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 le 8e en tout cas. Ainsi, en croit Gregotti, l'intérêt des Italiens pour la ville historique serait moins, ce serait moins construit contre les SIAM que dans les SIAM. On est alors en juillet 51. c'est le troisième Siam de l'après-guerre. On est encore huit ans avant leur dissolution à Oterlo -er et on est avant même l'émergence de la dissidence de Timten. Grégotti est alors âgé de 24 ans. Il fait partie des étudiants en architecture qui assistent à ce, qui assistent à ce, à ce congrès. Il avait aidé son mentor, Ernesto Nathan Rogers, dans la préparation. De, de, de ce congrès, puisqu'il travaillait alors au sein de son agence euh, BBPR, euh, qu avait fondé en, qui a été fondée à Milan en 1932. On voit ici Rogers à Odesdon euh, discutant avec des étudiants. Alors malheureusement, je n'ai pas la photo euh, où l'on verrait le jeune Gregotti dans le public. BBPR, oui, agence de, fondée donc, dans les années 30, euh, qui. Euh, qui, fait qui est connu pour quelques plans d'urbanisme à cette époque. Et euh, Rogers est donc euh, membre des SIAM dès 1935, euh, d'après les éclairages que m'a apporté euh, Marco Biraghi. Euh, on le voit ici, d'ailleurs, euh, à la piscine, vraisemblablement, je ne sais pas, euh, Jean-Louis nous expliquera peut-être le contexte de prise de vue de cette photo, avec euh, une partie de ses associés de BBPR, avec le Corbusier. Voilà. Euh, tout ça pour vous dire que, que Rogers est bien une figure, euh, j'allais presque dire, canonique des SIAM. Hein. Enfin, on n'est pas, pas tout à fait dans la rébellion. Là. Bon. Voilà. Euh, il, devient, il va intégrer le, le conseil des SIAM en 1947, là on le voit une année plus tard aux côtés de Le Corbusier, Walter Gropus. Euh, et le thème euh, du cœur de ville, débattu dans, les Siam, dans le SIAM 8, euh, rejoint alors les, les idées que, que Rogers développe lui-même. Depuis euh, 1948, sur la, les prédistances ambientales, hein, les milieux préexistants, ou certains traduisent environnement préexistant. Euh, notion d'ambiente dont Marco Biraghi nous expliquera qu'elle est même antérieure à celle de Rogers, puisqu'on en trouve aussi, et c'est une, une notion qui est déjà développée par euh, Boito et d'autres euh, au, au début du siècle. Et donc il consacre alors, donc Rogers consacre plusieurs articles sur cette notion, dont le principal paraît dans Casabella Continuita, revue dont il prend la direction en 52 et jusqu'en 64. Euh, et ces idées marqueront euh, d'ailleurs euh, fortement Vittorio Gregotti et Aldo Rossi. Uh, Gregotti s'y référera très souvent dans le territoire de l'architecture. Uh, Rossi s'y référera pour uh, s'en démarquer, uh, comme nous l'expliquera aussi uh, Marco Biragui. Uh, ces deux jeunes architectes, comme vous voyez dans l'ours les, dans les, dans de, de, de numéro de Casabella, uh, appartiennent au comité de rédaction de cette revue durant, durant une bonne partie de l'ère uh, Rogers. Et uh, Gregotti en est même le rédacteur en chef de 57 à 63. Et euh, Rossi, lui, circule. Il était au début dans le, le centre d'études. Hein. On le voit d'abord dans le centre d'études, et puis après, il bascule dans le, dans le comité de rédaction. Alors, euh, 51, c'est l'année donc du 8e siècle, d'Odesdon. 53, euh, le début de l'aventure de Casabella Continuita. Euh, ce sont donc deux années marquantes dans la trajectoire de Grigotti qui auraient pu l'une ou l'autre servir de première borne à ces journées. Pourtant, j'ai choisi la date mystérieuse de 1952 euh, que, que Jean-Louis Cohen a trouvé un peu saugrenue ou réservée à des initiés. Euh, pour deux, alors une première raison, ça serait de dire que c'est entre les deux. Euh, une autre est de dire que c'est l'année où Grigotti est diplômé de, du Polytechnico de Milan. Euh, en fait, la, la vraie raison, c'est que euh, a lieu à ce moment-là euh, le premier des SIAM d'été, des écoles d'été des SIAM, organisées à Venise, qui est un moment euh, décisif dans le, dans le parcours de, de, de l'architecte euh, euh, milanais. Donc du 10 septembre au 10 octobre 1952. Euh, se tient. donc La première école d'été des SIAM, euh, il y en aura cinq. La dernière aura lieu en 57. Donc Dans cette première session participent 66 étudiants ou jeunes diplômés du monde entier, dont Grégotti, mais aussi d'autres qui seront connus plus tard comme Joseph Rigswerth ou Donald Appleyard, l'assistant de Kevin Lynch, que vous voyez ici sur la gauche. Je montre aussi d'autres... Euh, architectes qui participeront au SIAM d'été suivant en tant qu'étudiants ou, ou, ou jeunes diplômés. Alors, euh, bon, voilà d'autres images du, de, de l'école d'été de 56 euh, avec ces gens qui sont euh, avec les, les étudiants qui sont qui participent à ces, à ces journées. Donc, on retrouve dans euh, les principaux organisateurs de ces SIAM d'été Rogers lui-même. Qui depuis 1947 était vice-président de la commission internationale permanente des SIAM pour la réforme de l'enseignement de l'architecture. Et on retrouve parmi les assistants Giancarlo Di Carlo, qui va prendre de plus en plus d'importance et va euh, être dans les organisateurs des, derniers, euh, des dernières Summer Schools. Mais il y a également euh, Le Corbusier en personne, euh, qui vient donner une conférence dans une salle de comble. Euh, et on voit ici au premier rang. Giuseppe Samona, qui est euh, à l'époque le, le, le directeur de l'Institut universitaire d'architecture de Venise, euh, au sein de laquelle il encourage les étudiants à mener un travail d'analyse des villes existantes, à commencer par Venise euh, elle-même. C'est pour ainsi dire lui qui accueille ces écoles d'été et qui en est une des principales chevilles ouvrières. Il avait lui-même intégré les SIAM en 1947. Et c'était d'ailleurs, j'ai découvert ça, un grand admirateur de Le Corbusier, au point de lui rendre hommage à, en érigeant une main ouverte sur le toit de son projet pour le Palazzo del Montecitorio de Rome en 67. Lors de l'école d'été des Siam de 56 intervient un autre personnage très important dont va nous parler Benjamin Chavardès, qui est Ludovico Quaroni. Dans cette quatrième Summer School vénitienne, Quaroni promeut le concept de ville comme organisme territorial. Donc, Rogers, Samona, Quaroni seront les trois principales figures euh, tutélaires euh, des débats qui nous occupent aujourd'hui. Euh, Marco Biragui y reviendra. Et Cristiana Manzoni devait faire sa, la conférence sur ces trois figures-là. Elle la fera donc peut-être lors de la seconde session. Et donc on voit bien qu'ils n'opèrent pas de rupture franche avec les SIAM de leur époque, dont ils accompagnent plutôt les, les évolutions à des degrés divers depuis l'intérieur. Pas de rupture encore moins avec les écoles d'été des SIAM, puisqu'ils en sont les principaux protagonistes. Enfin, du, du siège de Desdon à l'architecture de la ville, on pourrait donc penser que la focale est placée sur les centres constitués et qu'à ce titre, on l'a dit, Grigotti inaugure en 1966 un élargissement des questions à l'échelle territoriale. Or, dès 1959, Samona, dans l'Urbanistica et l'avenir de la Chita, que Quaroni considère alors comme le premier livre italien d'urbanisme. Euh, cet ouvrage pose très clairement la problématique. Samona préconise de s'appuyer sur la persistance des centres-villes existants pour penser le projet spatial hors des limites municipales vers la dimension régionale. La même année, il donnera une conférence sur la nouvelle dimension de la ville, notion qui englobe la périphérie, la campagne environnante en transformation. Et ce thème de la nouvelle dimension connaît alors une grande fortune critique qui devient une, une référence incontournable du débat euh, dès cette époque. D'ailleurs, Aldo Rossi, euh, qui dans, dans l'architecture de la ville cite assez peu les, 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 les protagonistes des, des débats urbanistiques italiens de son temps, qui préfère souvent citer des auteurs d'autres disciplines plus anciens, euh, euh, mentionne très souvent Samona et se positionne directement par rapport à cette question de la nouvelle dimension. Il dit, ce que nous voulons contester, c'est que la nouvelle dimension puisse transformer la substance d'un fait urbain, et de citer explicitement sa référence, rappelons qu'au début de cette polémique, giuseppe et Samona mettaient en garde contre l'erreur des architectes qui confondent trop facilement l'accroissement de la dimension urbaine et le gigantisme des projets. Du reste, les, les faits urbains dont parle, dont Rossi parle, euh, ne euh, semble pas se limiter à la ville au sens strict. Euh, il n'y a qu'à relire les passages où il parle des actes du gros ou ceux euh, dans lesquels il se réfère aux théories du philosophe Carlo Cataneo, qui considère l'ensemble du territoire au-delà des centres constitués comme une construction du travail humain englo englobant les ponts, les routes, les remparts, les champs cultivés, etc. Du reste, Rossi, avant 66, euh, il, euh, il va s'illustrer dans les colonnes de Casabella Continuita par une série d'articles consacrés à la question de la périphérie, euh, à travers notamment ces deux articles, mais aussi ce nouveau problème, donc ce, ce racis d'avant 66 dont nous parlera Béatrice Lampariello. Donc cette problématique de, de, de la grande échelle du territoire euh, va être aussi euh, traitée par euh, Manfredo Tafuri, qui, avant de devenir le célèbre critique historien de l'architecture de l'Université de Venise, est un jeune architecte urbaniste qui participe en 62 et 63 à un studio de conception expérimentale à l'Université de Rome sur la Città territorio Donc voici ici une des publications. Vous voyez aussi plusieurs autres personnages intervenir. Et euh, dès euh, 62 il avait également euh, coécrit. Un article sur ces questions dans un numéro de Casavella Continuita, dont voici la, la couverture qui traitait de la problématique de la, de la, de la Chita et Regione. Donc, cette problématique finira même par entraîner Muratori, qui publie en 1967 euh, un ouvrage sur la question du territoire, qui prolonge par la suite par une histoire opératoire du territoire à travers des projet d'Atlas dont nous parlera Luc Baboulet en, fin en fin de journée. Donc on voit dans ce panorama, euh, la, la contribution de Grégotti apparaît bien moins isolée et moins instauratrice qu'on aurait pu euh, le penser. Toutefois, les acceptions du terme territoriaux sont diverses euh, et on pourrait penser que l'originalité du texte de Grégotti semble se trouver dans euh, la proximité qu'il établit avec la notion de paysage. Paysage. Puisque, avec Olivier, on a trouvé un texte prototype de, du fameux texte de 1966, qui était publié dans euh, les actes de, du dixième colloque de l'Institut national d'urbanisme à Trieste. Et la premier, le premier titre de ce texte c'était « La forme architecturale du paysage. Et le texte va pas beaucoup bouger il va devenir La forme du territoire. Donc pour, on pourrait dire c'est ça, on tient la spécificité de, de, de Grigotti, il va parler du paysage dans une époque qui n'en parle peut-être pas beaucoup. Alors, on sait que euh, le paysage était alors, euh, Landscape était très présent dans les débats euh, architecturaux de cette époque, notamment avec euh, la grande fortune critique que connaît la rubrique Townscape de l'Architectural Review euh, à cette époque, euh, mais aussi... Euh, à travers les premiers travaux de Christian Norbert Schulz, euh, que, que Gregotti va solliciter dans l'Édilisium moderne hein, pour, pour écrire cet article, qui avait déjà, euh, dès, les années, euh, dès la fin des années 50, hein, qui avait, euh, donné une conférence sur la, question, euh, sur la question du paysage. Du reste, euh, Christian Norbert Schulz, qui, qui était membre junior des, membre junior des SIAM, et qui a été une des ouvrières des summer school, lui aussi. Alors, on pourrait dire oui. Alors, le landscape est traité euh, euh, ailleurs, mais peut-être pas tellement en Italie. Ben, pas vraiment non plus, puisque euh, en Italie, euh, ce thème est également euh, très présent à travers deux ouvrages importants qui sortent dans les années 60, enfin deux contributions importantes, l'ouvrage d'Emilio Serini, Histoire du paysage rural italien en 61, et les tout premiers écrits du philosophe Rosario Assunto, que cite euh, Gregotti, et euh, qu'Olivier Godin va nous exposer, en fin de, va nous parler en fin de, en fin de journée. Mais euh, le débat sur le paysage on ne se trouve pas uniquement... Euh, à travers les historiens ou philosophes euh, italiens. On le retrouve dans euh, le débat architectural même, puisque, en feuilletant euh, le Casabella Continuita, euh, on trouve euh, différents dossiers qui traitent de, de ce sujet, comme celui-là de 1957, où intervient euh, Samona, euh, Rogers, Benevolo, Quaroni, etc. Et puis. Euh, notamment ce texte de, de Rogers euh, dans deux numéros consacrés au littoral italien dont va nous parler Federico Ferrari. Voilà. Pour conclure, je dirais donc que euh, dans nos recherches pour l'écriture de, de l'introduction à la nouvelle traduction de la forme du territoire, les, les quelques jalons, euh, successions, clivages sur lesquels nous comptions nous appuyer pour nous repérer se sont finalement estompés euh, au cours du temps. <laughs> Nous apportons plus de questions que de, que de réponses. J'espère donc que les contributions de ces deux journées permettront d'aboutir à un panorama et une généalogie plus précise de cette séquence italienne, très prolifique et déterminante pour la pensée architecturale et urbaine jusqu'à nos jours. Je vous... Alors, je vous propose. Euh, sans plus tarder, d'engager de, la suite du, du programme. En, euh, en accueillant, donc on est ravis d'accueillir euh, euh, Marco Biraghi, euh, qui est professeur d'histoire contemporaine de l'architecture au département d'architecture et d'études urbaines du Polytechnico de Milan. Euh, en 2008, il a publié euh, une histoire de l'architecture contemporaine en deux volumes, 1750, 1945 et 1945, 2008. En 2010, euh, il co-dirige un ouvrage collectif sur l'architecture en Italie des années 60 et 70, euh, qui, ont, qui ont nourri nos, nos, nos recherches, euh, qui s'appelait Italia 60-70. Puis en 2014, il édite avec Silvia Micheli une histoire de l'architecture italienne et qui prend la suite hein, 1985-2015. Il a également écrit euh, en anglais au MIT Press euh, « Projet de crise Manfredo Tafuri et l'architecture contemporaine » en 2013. Et il y a quelques mois, il vient de faire paraître hein, euh, « L'architecte comme intellectuel ». Donc aujourd'hui. Nous l'avons invité pour une sorte de conférence euh, introductive qui essaye de, de, de dresser un panorama euh, général de, de ces questions. Euh, il va s'exprimer en italien de manière à nous mettre dans le bain linguistique. Euh, voilà, mais après, euh, lors des débats, euh, il pourra répondre aux questions qui seront posées en français ou en anglais, comme vous le préférez. Voilà, je lui laisse la parole. Merci beaucoup Eric. Jésus désolé, ma mon français non è presentabile in queste È eh, meglio che io parli in italiano. E eh, non eh, spero che mi, mi possiate capire ugualmente. Cercherò di parlare in maniera spero chiara. Il progetto. Come filosofia della prassi, architettura, città, ambiente e territorio nell'Italia del secondo dopoguerra. Ehm, allora, io credo che per comprendere il tema su cui queste due giornate si soffermano e, e che Erika ben introdotto, eh, sia necessario però eh, la, la sua eh, insistenza giusta sul tema. Dei congressi internazionali dell'architettura moderna fornisce già una prima chiave interpretativa, però io credo che si debba necessariamente allargare per comprendere questa stagione dell'architettura italiana e anche, anche l'uso specifico che viene fatto di alcuni termini: territorio, ambiente che proverò ad analizzare, sia necessario fare un passo indietro e un allargamento del campo, altrimenti si rischia di non capire nulla di tutto questo. E segnatamente è fondamentale eh, dare una lettura, una corretta, io credo, lettura di questa stagione in una chiave che intreccia intimamente architettura urbanistica e politica. Senza la questione politica non si capisce, si rischia di non capire nulla. La ricostruzione dell'Italia nel secondo dopoguerra va tutta letta in una chiave politica, politica dell'architettura naturalmente, non politica soltanto della politica. No? Eh, già a partire. Dal 1945, ma in realtà addirittura dall'8 settembre 1943, cioè dalla liberazione dell'Italia eh, dal fascismo, c'è una, eh, una chiamata di tutto diciamo, il mondo della cultura architettonica alla ricostruzione. La ricostruzione, però, appunto, non sarà una questione tecnica. Non è una questione, come dire, puramente tecnica, ma è una questione politica. È una questione politica. Eh, e questa questione politica trova in quel momento una, eh, una straordinaria congiuntura, potremmo dire così, in cui un'energia sorprendente e degli ideali fortemente condivisi permettono di. Eh, ottenere una collaborazione tra diverse forze della cultura e quindi anche della politica, persone schierate politicamente in maniera anche molto diversa, contrapposte in una certa misura, quanto lo erano per esempio in quel momento la democrazia cristiana, partito egemone poi in Italia in tutti diciamo, i 40 anni successivi e partito comunista italiano. Che troveranno appunto un accordo: anche un accordo di governo naturalmente, sia pure, sia pure passeggero per, per pochi anni, ma poi anche un accordo dal punto di vista delle azioni diciamo, che l'architettura compie sul, sul territorio, potremmo dire. Eh, emblematico in questo, da questo punto di vista è il piano AR, elaborato nel 1944, i nomi sono quelli che vedete, sono alcuni dei nomi che abbiamo già visto, ci sono i BBPR, ci sono Cialbini, Bottoni, Gardella, eccetera. Architetti di natura come dire, diversa che si riuniscono sotto un unico nome, Archi AR sta per architetti riuniti, appunto architetti riuniti, cioè il nome massimamente generico per esprimere semplicemente la volontà di fare. Qualche cosa che eh, come dire, contribuisca, dia un contributo, in questo caso al piano di ricostruzione, ma in realtà di espansione di Milano, un piano che prevede un'estensione del suo raggio d'azione su tutta la regione, quindi c'è già una concezione del piano urbanistico urbano come eh, in realtà un piano regionale, e in maniera significativa il blocco delle nuove edificazioni nelle zone bombardate o precedentemente non edificate. Nella prospettiva, scrivono gli architetti riuniti nella relazione di progetto: nella prospettiva di rivedere, pur nella necessaria progressività, come dire, con una certa calma, in una certa attenzione. L'istituto della proprietà fondiaria, no? cioè quel, quel, il fondamento stesso dell'idea, se volete, di proprietà, di proprietà privata. No? Quindi un piano progressivo, un piano che non si limita come dire, semplicemente a ritracciare degli assi, che pure ci sono, ma prova a ragionare in termini quasi strutturali. No? Sul, sulla, sulla, sulla regione, sulla città-regione. Questo piano viene pubblicato immediatamente da Casabella, e questo diciamo, potrebbe essere abbastanza normale, ma viene pubblicato altrettanto su Rinascita, che è invece una rivista che non ha nulla a che fare con l'architettura, la, la, è una rivista di cultura, no? di politica e cultura italiana legata al Partito Comunista. Che pubblica appunto il piano AR immediatamente sulle sue pagine. In quello stesso momento in Italia c'è l'idea di elaborare un piano nazionale per la ricostruzione. Sarà Palmiro Togliatti, il, il segretario del Partito Comunista, a farsene, eh, a farsene eh, promotore. Eh, un piano nazionale eh, basato su una democrazia progressiva. Qui, anche qui la, eh, lo stesso termine progressivo è un po' ambiguo, ma che di fatto appunto cerca di estendere la democrazia, il concetto di democrazia alle masse popolari. Naturalmente da parte del Partito Comunista c'è un'idea di provare a spostare il baricentro eh, della eh, politica verso la propria ideologia, però è interessante che in questo piano di ricostruzione nazionale proposta da Togliatti che viene proposto anche agli avversari diciamo, della democrazia cristiana e del partito socialista eh, in quel momento di unità proletaria, eh, pensa questo piano nazionale una radicale forma, eh, riforma agraria e anche una battaglia contro il capitalismo monopolistico, ma viene scritto appunto nel piano non contro tutto il capitalismo in quanto tale. Quindi il Partito Comunista prova a elaborare un piano di ricostruzione che è sì contro il capitalismo, ma non contro ogni forma di capitalismo e dunque di proprietà privata. Quindi una sorta di accordo, una sorta di accordo, di punto di mediazione tra le diverse forze politiche. Questo stesso accordo lo ritroviamo in maniera significativa nel panorama architettonico. Eh, in quel momento, nell'immediato dopoguerra, si formano dei gruppi, dei grandi gruppi di architetti e urbanisti che lavorano fianco a fianco eh, anche nella diversità delle loro posizioni. Dobbiamo togliere dalla mente quell'idea di contrapposizione appunto partitica, ideologica che poi naturalmente subito dopo, poco dopo, riprenderà piede. In questo momento c'è questa grande idea di unità nazionale. L'MSA, cioè il Movimento degli Studi per l'Architettura, eh, tiene dentro di nuovo Albini, Bottoni, eh, Gardella, Zanuso, eh, Rogers naturalmente, De Carlo tanti architetti diversi che poi esprimeranno la propria architettura in tante maniere diverse, anche dal punto di vista della posizione politica, naturalmente, e che però collaborano tutti insieme a questo progetto, che è un progetto appunto anche questo di ripensamento culturale della condizione italiana. E in quello stesso momento, nel, proprio nella, nello stesso 1945, eh, si forma la PAO, cioè l'Associazione per l'Architettura Organica, a Roma, che è presieduta da Bruno Zevi, naturalmente, ma alla quale anche partecipa, fra, fra i tanti altri, eh, Ludovico Quaroni, no? che appunto citava prima eh, Eric. Allora, Quaroni in questo è in qualche modo una figura fondamentale perché eh, Quaroni sarà colui che aveva fra i primi o che avrà fra i primi un ruolo in quella ricostruzione anche in contesti molto eh, difficili, qual è il Sud Italia. No? Qui siamo a Matera, in quel contesto in cui eh, i sassi, i famosi sassi di Matera, luogo straordinario, ma nello stesso tempo, luogo assolutamente inabitabile, diciamo, incivile, se, no, se non appunto nelle sue condizioni di inciviltà. No? Manca tutto, mancano. Ogni urbanizzazione, e ogni servizio, e gli abitanti eh, di Matera vengono spostati alcuni chilometri più in là e Quaroni, sotto legida eh, di, di Olivetti, di Adriano Olivetti e eh, del suo movimento comunità, realizzerà questa operazione. Qui, appunto, è interessante vedere che nel 51 Quaroni ed altri. Eh, da luogo a un intervento in cui i caratteri diciamo, della pianificazione vanno oltre gli schemi dell'architettura moderna, no? oltre diciamo, la griglia dei congressi di architettura moderne, cioè oltre la, la, la griglia all'alle Corbusier, e invece prova in una qualche misura a riconfrontarsi con il territorio, la situazione locale, col territorio naturalmente difficile, con la cultura di quegli abitanti che lì appunto devono andare ad abitare. Inizierà a fare i primi esperimenti di partecipazione, cioè di discussione con, i, con gli utenti e soprattutto nella chiesa che è l'elemento centrale del, del, dell'intervento, di questo intervento che appunto si chiama la martella. Eh, realizza quello che è la sua idea di architettura organica no? quell'architettura organica a cui lui aderisce in quanto movimento e che Zevi ha in mente naturalmente Frank Lloyd Wright no? per lui l'architettura organica è quella invece questa è l'architettura organica per Quaroni un'architettura fatta di pietra un'architettura che si confronta con la storia che si confronta con il luogo no? nella maniera più più essenziale. Però è interessante che nel 1951 Quaroni formula questa, questo interessante eh, progetto e nel 59, cioè passato pochi anni, in fondo, il progetto eh, non vincitore, ma forse il più interessante progetto per il quartiere, un quartiere popolare alle barene di San Giuliano eh, a Mestre, eh, propone appunto questo progetto con questi grandi dischi no, che ruotano eh, e che costituiscono in realtà delle sorte di nuovi grandi eh, collettori, come dire, di funzioni residenziali e di servizio. No, questa era la sua, diciamo, la traduzione da questo disegno da questo, da questo segno gestuale alla eh, poi realtà realtà diciamo alla maquette, eh, naturalmente non realizzata. Ecco, tra il 51 e il 59 eh, evidentemente si consuma qualche cosa, c'è una differenza e io credo che ci sia una cosa, un, un, un evento fondamentale nella cultura italiana, appunto, in una lettura politica di tutto questo momento di cui bisogna tener conto, cioè è la pubblicazione tra il 1947 e il 1951, finisce nel 1951, degli scritti di, eh, di Antonio Gramsci. Antonio Gramsci era stato in carcere, nel carcere fasciste, fino agli anni 30, poi muore appena dopo e lascerà i famosi quaderni, quaderni e lettere, un corpus straordinario di riflessioni che finirà, eh, che, che appunto che, eh, lo vedete appunto nella sua versione diciamo originale, ma che poi invece verrà pubblicato a partire dalle lettere nel 1947 e poi il corpus dei sei volumi eh, dei cosiddetti quaderni dal carcere verranno pubblicati negli anni successivi fino al 1951. È un primo ordinamento che verrà dato dei quaderni del carcere di Gramsci, poi ne verrà fatto un, un ulteriore negli anni 70, sulla base dell'effettiva cioè dell aderenza alla, alla successione di scritti nei quaderni. Qua invece viene fatta questa prima divisione in cui vengono raggruppate degli argomenti. Che cosa, poteva dire, cosa potevano dire i quaderni al carcere, gli scritti di Gramsci? alla cultura architettonica. Naturalmente dicono molto a tutta la cultura italiana, politica e non, ma il, la relazione è strettissima evidentemente. Ma in particolar modo la riflessione di Gramsci pone la filosofia della prassi, la filosofia della praxis, come elemento centrale. La filosofia della prassi è il modo in cui Marx che è uno dei modi in cui Marx chiama il materialismo, il materialismo storico, no? è il fondamento diciamo, della, della dottrina, della teoria, eh, del comunismo. Ma appunto la filosofia della prassi è, è, viene utilizzata in realtà da Gramsci in una versione lievemente diversa e, ed è una versione che passa attraverso la rilettura. Che Giovanni Gentile fa della filosofia di Marx, Giovanni Gentile è filosofo idealista della fine dell'Ottocento e poi dell'inizio del Novecento. Proprio alla fine dell'Ottocento Gentile scrive un libro, La filosofia di Marx, in cui a sua volta rilegge la filosofia della prassi, lo farà anche Benedetto Croce, figura fondamentale per la, tutto l'idealismo eh, italiano, e Finisce poi a Gramsci questa nozione che la rileggerà ulteriormente. Che cos'è la filosofia della prassi? È il perfetto coincidere di conoscere ed agire. Dice Gramsci l'unità di teoria e pratica, di filosofia e politica, no? di pensiero e azione. Allora, per dell'intelletto, che è peraltro che è peraltro esattamente l'incipit del libro sulla storia dell'architettura italiana dal 1944 al 1985 di Manfredo Tafuri, il quale non cita mai Gramsci, però in compenso inizia proprio la sua storia dell'architettura italiana di quel momento dicendo la difficile dialettica tra, conoscere, tra il conoscere e l'agire è il nodo, dice fondamentale, L'incontro con la politica attiva appare un imperativo per tutta la cultura architettonica di quel momento. No? L'incontro con la politica attiva. Però appunto è un incontro non su basi puramente ideologiche, stiamo parlando di architetti, non di politici, ma appunto in qualche misura la filosofia della prassi costituisce una sorta di fondamento conoscitivo di, una, di un pensiero che si deve tradurre in fare in agire, in trasformare, ecco questa è la parola fondamentale, una piena coscienza trasformativa del reale, cioè bisogna ripensare il reale ma anche trasformarlo, ma anche modificarlo, non semplicemente pensarlo, ma anche agire su quel reale. Per la filosofia della prassi, scrive Gramsci, L'essere non può essere disgiunto dal pensare, l'uomo dalla natura, l'attività dalla materia, il soggetto dall'oggetto. Se si fa questo distacco, si cade in una delle tante forme di religione o nell'astrazione senza senso. Ma appunto, dal punto di vista proprio eh, ontologico, potremmo dire, eh, la filosofia della prassi prova a ripensare il rapporto fra soggetto e oggetto, no? cioè non è. Come dire una, una semplice posizione politica e lo spiega molto bene Gentile eh, già nel suo libro. Scrive Gentile quando si conosce si costruisce. Quando si conosce si costruisce. Si fa l'oggetto, e dunque e, e, scusate, e quando si fa o si costruisce un oggetto lo si conosce. Dunque, l'oggetto è il, un prodotto del soggetto. L'oggetto è la realtà, naturalmente, no? Cioè, la realtà è un prodotto del soggetto. E poiché soggetto non c'è senza oggetto, bisogna aggiungere che il soggetto, man mano che viene facendo o costruendo l'oggetto, viene facendo e costruendo se stesso. I momenti della progressiva formazione del soggetto corrispondono ai diversi momenti della progressiva formazione dell'oggetto. No? Per cui soggetto e oggetto, soggetto agente e realtà su cui agisce, in realtà si sì. Corrispondono pienamente nel loro farsi. No, questa è l'idea. Allora, questa nozione è una nozione fondamentale per l'architettura che, appunto, per un'architettura che non deve in quel momento limitarsi a creare oggetti isolati, ma invece provare a creare il senso complessivo di un'azione trasformatrice del reale. Questo chiede la ricostruzione italiana. Non semplicemente una ricostruzione tecnica rifare ponti, rifare case, eccetera, eccetera, ma ripensare il senso delle cose. E io credo che questa presenza di Gramsci, non la sola evidentemente, però sia una presenza essenziale per comprendere la specificità della ricostruzione italiana rispetto ad altre. Per altre, penso all'Inghilterra, per esempio, sicuramente c'è un fatto tecnico, bisogna ricostruire perché i bombardamenti hanno distrutto tutto quel che... Però l'Italia invece ha un mandato di, di, di genere diverso. Allora è interessante come questo questa, diciamo, legame fra il pensare e l'agire si traduca poi in opere, cioè in azioni a loro volta. Da questo punto di vista la figura fondamentale è... In, in, in questa fase, e, e fa parte anche del, dell'MSA, cioè del Movimento Studi per l'Architettura, è Franco Marescotti, che insieme a Irene di taldevi pubblica nel 48 questo libro, Il, problemi, Il problema sociale, costruttivo e economico dell'abitazione. Un libro che in realtà non è neanche un libro, è una specie di cartella con dentro delle, delle schede, cioè è molto come dire, fungibile. È molto una, un libro che deve servire per fare, non è un libro di cultura, e Mare Scotti pubblica questo libro, e però è la figura fondamentale per la formazione di due gruppi molto diversi tra i loro, poco studiati in Italia, e io accenno soltanto a questa cosa, che si chiamano, uno si chiama Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia, e l'altro si chiama Collettivo di Architettura di Milano. Eh, molto brevemente, il, il, la cooperativa architetta e ingegnere Reggio Emilia lavorerà sotto mandato di Marescotti per eh, studiare il piano eh, di ricostruzione di Reggio Emilia, piano che verrà poi fatto da Albini e da De Carlo e che però viene come implementato. viene... viene, viene apparecchiato da questi giovani appena laureati al Politecnico di Milano. Osvaldo Piacentini è diciamo, la figura più rilevante all'interno di questo gruppo, Osvaldo Piacentini non ha nulla a che fare con Marcello Piacentini, naturalmente, e appunto verrà poi incluso anche il loro lavoro all'interno di quel libro che abbiamo appena visto, poi verrà fatta una parte della mostra della ottava triennale, quella del, che poi darà luogo al QT8 di Bottoni, includerà anche il loro lavoro. La cosa interessante è che Marescotti è iscritto al PC, al Partito Comunista, dal 1945, Bottoni, che presiede a quella mostra triennale, è un membro del Partito Comunista, questi giovani della cooperativa architetti e ingegneri sono della democrazia cristiana. Lavorano, come dire, sullo stesso fronte, per la stessa causa, da due punti di vista diciamo, ideologicamente diversi, il che non gli impedisce di collaborare. Lo statuto della cooperativa architetti e ingegneri dice che vieta loro l'attività privata, non possono lavorare come architetti privati e, e li... li, diciamo, li Vincola a conseguire, a dare alla loro azione degli obiettivi sociali ed etici attraverso il lavoro collettivo, un lavoro interdisciplinare dalla scala territoriale fino agli interni, e che coinvolge geografi, eh, sociologi, geologi, eh, economisti ed altre competenze ancora. Quindi lavoreranno negli anni successivi alternando peraltro a fianco diciamo a, avendo come punto di riferimento una figura straordinaria che è quella di Giuseppe Dossetti che era un sacerdote ma anche un politico molto diciamo, importante della democrazia cristiana che li alleva con letture che vanno da Maritain a Gramsci, no? anche qui appunto in una strana interessante combinazione, ehm, però appunto la cooperativa Architetti Ingegneri lavorerà sul territorio, soprattutto sul territorio dell'Emilia-Romagna, a Bologna, a Reggio Emilia, a Modena, realizzando piani urbanistici, realizzando interi eh, complessi residenziali e avendo, per esempio in questo villaggio eh, della Nebbiara a Reggio Emilia anche con un programma sociale e eh, valoriale, potremmo dire di valori, che sono del tutto antitetici a quella eh, società dei consumi che eh, di lì a poco appunto si imporrà in Italia. Eh, non è un caso che la cooperativa architetta e ingegneri verrà definita spesso eh, come intellettuali del territorio, no? intellettuali del territorio, interessante appunto questa definizione che mette insieme come dire, questi due, avvicina questi, questi termini. Lo stesso Marescotti, no, lo qua lo vediamo con l'impermeabile nella fotografia, è in qualche modo colui che presiede la formazione del collettivo architettura. Il collettivo architettura assomiglia, nasce poco dopo, nasce nel 1951, la, eh, mentre eh, la cooperativa era del 1947, ma eh, ha praticamente gli stessi intendimenti nasce a Milano, ma la differenza è quella che lo statuto del collettivo architettura impone loro di essere iscritti al Partito Comunista, quindi una, una militanza eh, esplicita, non, non implicita, e vieta loro l'attività professionale, se non quella appunto cooperativa, l'elaborazione collettiva dei progetti e, interessante questo, il pagamento eh, degli architetti all'interno del collettivo deve essere è sulla base delle ore svolte come nel lavoro operaio, no? cioè l'idea dell'assimilazione del lavoro architetto al lavoro operaio. L'altro aspetto interessante è quello che è la loro idea di architetto, appunto, è l'architetto condotto. In italiano condotto, non c'è l'architetto condotto, lo inventano loro, c'è il medico condotto. Il medico condotto era il medico pagato dall'amministrazione comunale. Per assistere i poveri, gli indigenti, coloro che non potevano avere altrimenti un'assistenza medica. L'architetto condotto per, la, per il collettivo è questo: cioè è l'architetto che interviene, che ha un'azione di soccorso nei confronti di quei contesti urbani e soprattutto per urbani, periferici, che non hanno come dire, il soccorso dell'architetto, dell'architettura. Quindi lavoreranno nei comuni dell'Interland, non soltanto lavoreranno. Qui vedete, è molto piccolo, ma insomma ci sono i pallini che indicano dove costruiscono intorno a Milano. Ma l'altra mappa indica invece dove loro entrano nelle amministrazioni comunali, cioè non soltanto la loro azione è un'azione di architetti, ma è anche un'azione di amministratori, cioè diventano sindaci, assessori consiglieri comunali in tutta una serie di comuni dell'Interland milanese per entrare, come dire, perché la cultura come insegnava Gramsci deve essere egemonica, cioè deve riuscire a prendere, come dire, avere una capacità di modificazione effettiva della realtà. No? Per diventare egemone deve entrare anche diciamo, nelle stanze del potere. Questo farà il collettivo Architettura che poi realizza tantissimi eh, qui non ve li sto a mostrare, eh, edifici, molto lavoro sulle scuole, no? che vengono pensate non solo come edifici per l'istruzione, ma anche come luoghi, di, eh, come centri civici di, di, di paesi, di, 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 diciamo, di, di parti della città periferica che non hanno un centro. No? Quindi la scuola diventa il nuovo centro. Cittadino o di questa parte periferica della città. Ecco tutto questo per dire che non si può, come dire, astrarre quello che noi poi spesso consideriamo come la cultura architettonica italiana e le sue figure preminenti da invece, come dire, un, un, non solo un sottobosco importantissimo, ma anche una, un contributo, io credo, altrettanto importante che esula strettamente dalla cultura architettonica ma che è presentissimo. Eh, Aymonino, Carlo Aimonino e Aldo Rossi eh, la, ehm, parleranno a una conferenza nel 54 a Roma e gli interventi eh, sono, sono ancora studenti nel 1954 entrambi e eh, gli interventi appunto di cui abbiamo la, la, diciamo, la trascrizione eh, denuncia proprio le influenze gramsciane sia sull'uno che sull'altro no? ci sono espl esplicite come dire, accenni a quella cultura, appunto, Gramsciana. E allo stesso modo Samonà e De Carlo, due figure che sono molto distanti dal punto di vista per, per, per tanti punti di vista, non ultimo quello ideologico, no? uno iscritto al Partito Comunista e anche membro poi autorevole del Partito Comunista, De Carlo anarchico, no? quindi una figura che è irriducibile, diciamo, politicamente a quello, però. Vedremo che si sì, mescolano continuamente i loro destini a Venezia e, e anche altrove, faranno peraltro a un certo punto un piano eh, del centro storico di Palermo assieme che poi fallirà ma che comunque è interessante nei suoi, nelle sue riflessioni, riflessione che, che, che apporterà, e però appunto eh, Samonai e De Carlo collaborano, lo, lo mostrava prima Eric, Inizialmente collaborano alla, eh, a quella Summer School eh, Veneziana dove Samonà ha un ruolo fondamentale. De Carlo interviene soltanto all'inizio come dire, è un assistente, poi dopo entra invece più a tutto, eh, a tutto con un ruolo diciamo, eh, più operativo. Eh, Rogers, Albini, Gardella e Samonà sono i fondatori, diciamo per parte italiana, de, sono, fanno parte del team dei docenti fondatori eh, di questa scuola estiva di Venezia. La quale, eh, e poi dopo interviene anche De Carlo, la quale ha come suo fondamento eh, una revisione dei contenuti dell'insegnamento dell'architettura, che però è. Se lo vediamo in parallelo con lo statuto del nuovo UAV, del nuovo Istituto Universitario eh, di Architettura di Venezia, presieduto da Samonà, è sostanzialmente molto assimilabile ad esso. No? Il lavoro collettivo, eh, quindi il lavoro in team, quello che Gropius appunto predicava nei, nei CIAM, l'interazione e l'integrazione tra le diverse discipline, il rinnovamento dei temi di studio temi che vengono desunti dalla, dalla realtà e dall'attualità sociopolitica, viene, viene precisato, sono tutti aspetti che accomunano la scuola estiva dei CIAM e lo UAV di Venezia nel suo momento diciamo, di formazione. Una coincidenza che non è per nulla casuale e che poi porterà De Carlo nel 1976 a, formare, a fondare l'ILAUD, cioè l'International Laboratory of Architecture and Urban Design, che a sua volta costituirà un altro capitolo, in questo caso diciamo fuori dal nostro periodo, per cui non ce ne occupiamo qua adesso, ma molto interessante di nuovo da questo punto di vista. Ecco però sul, anche sul, sul, sul piano del pensiero teorico tra Samonà e De Carlo c'è un fondamentale accordo, anche tra due figure che pur appunto si intrecciano ma sono anche mantengono diciamo, una loro identità molto precisa, c'è un fondamentale accordo ed è quello sulla sostanziale unità di architettura urbanistica, cioè non si dà un'architettura che non sia anche urbanistica. No? Per entrambi, nell'architettura eh, nella, nell e l'avvenire delle città europee di Samonà, eh, è evidentissima questa, eh, questo, questo mandato, eh, così come per entrambi. Entrambi prendono le distanze dalla disciplina dell'urbanistica intesa in senso analitico-normativo, cioè come puro strumento no? e come applicazione di schemi calati dall'alto. No? Per entrambi invece essa costituisce uno strumento interpretativo-progettuale che consente di vedere la città da dentro è come cambia lo sguardo per entrambi. L'urbanistica deve consentire di vedere la città da dentro, non da fuori, non dall'alto, no? con tutte le sue contraddizioni e anche le sue normalità, come dirà appunto Samonà. Eh, e allo stesso tempo entrambi sentono l'esigenza di uscire dalla dimensione della città. I problemi urbanistici, scrive Samona: i problemi urbanistici della città non possono essere risolti entro le sue mura, cioè la città non può pensare, pensarsi come, dire, come fatto isolato, chiuso e finito in se stesso, ma invece, appunto, il, la città e il territorio vengono pensati assieme. E allo stesso modo De Carlo, questo è un libretto uscito recentemente. Eh, con la trascrizione di le ultime quattro lezioni di De Carlo, quindi all'inizio degli anni 90, sono tardi ma in realtà in qualche modo De Carlo riaffronta tutto il suo pensiero, tutto il suo percorso e De Carlo dice e poi è scritto è tempo di rovesciare il cannocchiale tra architettura e città appunto che è il tema del, delle sue lezioni e partire al territorio. La, la visione consueta, per la visione consueta il territorio era, dice De Carlo, era, è un vuoto. No? La città è il senso e il territorio è un vuoto. Ma nei fatti, dice De Carlo, è solcato da infiniti segni e raccordi con l'urbano che stabiliscono una condizione di continuità e identità unitaria. No? Città e territorio sono un sistema di segni unitario. Si potrebbe anzi dire che l'urbano è il punto di condensazione e cristallizzazione del territorio di cui la città costituisce una densificazione di uno stesso disegno continuo, cioè la città è semplicemente un luogo più denso, ma i segni sono gli stessi e vanno letti nello stesso modo eh, o comunque come un tutt'uno. E appunto entrambi, sia Samonà che De Carlo, usano il termine territorio. No? Il termine territorio. Allora, territorio diventa il termine per l'architettura e per la cultura architettonica italiana, è quel termine che designa quel conoscere e trasformare, cioè quel pensare e, e, e agire no? sul territorio. Questo è, come dire, il piano d'azione di, quel, di quella filosofia della prassi di cui dicevo. Territorio eh, questa parola, appunto, in italiano evidentemente deriva dal latino territorium e assume un significato ben preciso, ma diciamo ha un significato ben preciso: De deriva naturalmente la sua radice da terra, no? terra nel senso materiale del termine, no? quella materia che appunto in, in italiano designa la terra, ma nello stesso tempo non è Qualche cosa che indica soltanto una materialità. Il territorio non è qualche cosa di puramente materiale. Il territorio è l'oggetto di una trasformazione di quella materia. La parola territorio contiene già in sé l'idea di una azione trasformativa. No? Territorium è l'esito di un processo se non addirittura di un progetto. Il territorio è il luogo in cui è già successo qualcosa. E in questo senso appunto lo utilizzerà la cultura architettonica italiana no? come un sistema di segni antropici. Diversa, diversa accezione ha al termine ambiente, che pure è circolante, molto circolante nella cultura architettonica italiana. Però ambiente ha una, ha una, ha una radice molto diversa. La stessa, lo stesso latino lo dice ambiens, appunto, ambiente. Però il verbo ambire in latino vuol dire circondare, cingere, quindi l'ambiente, in origine la parola ambience era usata come aggettivo riferito all'aria o a qualche fluido. No? In una qualche misura, anche quando viene in, utilizzato per indicare lo, lo, lo spazio, però è lo spazio che circonda una cosa, una persona, è lo spazio che sta intorno. Nel quale ci si muove. Quindi ambiente mantiene una valenza aerea, atmosferica, mentre invece territorio è saldamente radicato al terreno, no? e sono due come dire, referenti diversi evidentemente. L'ambiente però appunto viene utilizzato molto da Rogers, per esempio, lo ricordava prima Enric: però, ambiente a sua volta ha una storia. Da prova l'ambiente, è una storia che parte un po' più da lontano, per cui bisogna rapidamente diciamo, fare un passo indietro, perché è, sarà Giovannoni, ma in realtà anche Camillo Boito, eh, alla fine dell'Ottocento, a parlarne. Giovannoni lo fa in riferimento alla questione del restauro dei monumenti, del restauro degli edifici antichi, eh, vedete, ambiente dei monumenti. Eh, Boito lo utilizzerà anche in senso operativo, cioè l'ambiente è qualcosa, e oh, quindi l'ambientamento, no? questa, questa parola italiana che deriva da l'ambientamento è l'idea appunto di, pre, di riprendere l'architettura storica, in particolar modo l'architettura medievale e quella eh, proto-rinascimentale lombarda, pre-rinascimentale lombarda, e di ritradurla però in un linguaggio che non è semplicemente storicista, ma invece deve servire come fondamento per un'architettura moderna italiana. Cioè Boito prova a ambientare come dire, la propria architettura moderna, che per lui è moderna, queste sono le scuole di Via Galvani, eh, per lui è un'architettura moderna che appunto deve ambientarsi però dentro alla... alla alla, al centro storico, alla città storica. No? E poi lo stesso termine di fatto verrà utilizzato da Giovanni Muzio, allorché negli anni Venti, dopo la guerra, con lo stile Novecento, diciamo, in un momento eh, successivo della cultura, dello sviluppo della cultura architettonica italiana, ehm, si troverà eh, Muzio a realizzare alcune delle residenze diciamo, per la alta borghesia, e alcune degli edifici pubblici o comunque rappresentativi della Milano eh, di quegli anni. Questa è l'Università Cattolica e qui l'idea di ambientamento è quello che questo edificio della Cattolica debba dialogare con il chiostro del Bramante, debba dialogare con la Basilica di Sant'Ambrogio che vedete alle spalle, con l'edificio neoclassico che lì sta di fronte, no? è un dialogo che l'architettura istituisce. No? L'ambientamento, no? questa idea di ambiente, um, una continuità tonale verrà chiamata, no? come se ci fossero dei toni che eh, tengano insieme. Ecco l'elemento comune tra l'origine di quel termine, l'origine, l'uso che ne fanno Boito e Giovannoni e quella, e quella di Muzio, è la borghesia, cioè ambiente è un termine che in qualche modo. Eh, si cala dentro a una, eh, a una realtà borghese. È la borghesia della fine dell'Ottocento che in qualche modo eh, favorisce quel passaggio epocale dallo storicismo a un'architettura che pur ancora in termini storici però prova a pensarsi come autonoma rispetto al passato. È la borghesia quella che dà mandato a Muzio di trasformare Milano in quei termini, però appunto in termini che mantengono l'architettura pur moderna, nuova, diciamo, in accordo con la città storica. No? Questo è il senso. Ma in fondo non è un senso molto diverso da quello in cui lo, usa, lo, lo userà eh, Ernesto Rogers. No? Certo che per Rogers non c'è nessuna volontà che l'ambientamento degli edifici, cioè gli edifici ambientati, diciamo così, mantengano un rapporto formale con le presistenze. No? Non c'è, cade qualunque riferimento storicistico in Rogers, evidentemente. Però la teoria delle presistenze ambientali esattamente nello stesso modo lavora dentro a un universo borghese, dove è la borghesia, appunto, che in qualche modo fa anche qua da referente per una eh, trasformazione della città che sia accettabile, cioè in qualche modo portare, come naturalmente si farà con la Torre Velasca, no? portare la modernità all'interno della città in una maniera che sia borghesemente accettabile, no? senza rivoluzioni, senza che questo implichi una straordinaria rivoluzione. Ma di fatto anche, anche Rogers parlerà di armonico inserimento delle opere nasciture con quelle esistenti, la cui forma deve essere desunta dalle determinanti dell'ambiente circostante. Ambiente circostante, no? c'è cioè questa idea appunto proprio di... E ancora, a proposito della torre Velasca, scrive Rogers, il valore intenzionale di questa architettura è di riassumere culturalmente e senza ricalcare il linguaggio di nessuno dei suoi edifici, naturalmente prende le distanze, però di riassumere culturalmente l'atmosfera della città di Milano. No? Cioè la torre Velasca incarna l'atmosfera della città di Milano. Però appunto atmosfera, ambiente, cioè qualcosa di atmosferico, di aereo, non è il territorio, no? è, è un'altra cosa. È qualcosa che circonda, è l'aria di famiglia, no? è l'aria circolante. Quella che in questo caso interessa. Ed è interessante che nella polemica che Rainer Banham eh, lancia, diciamo, quell'accusa che lancia di ritirata eh, dell'architettura italiana eh, dal moderno eh, sulle, sulle pagine di Architectural Review, eh, non, non userà, non citerà, diciamo, non usa la, la Torre Velasque come, come eh, oggetto della, della sua accusa piuttosto edifici, i primi edifici di Gregotti insieme a Meneghetti e Stoppino, gli edifici di Gaolenti. Anche in questo riquadrino qua piccolo eh, lo scrive appunto nella, nella, nella didascalia la well-known cooperativa degli architetti e eh, ingegneri in Reggio Emilia. No? Arriva persino alle orecchie di Rainer Banham appunto quella cooperativa che appunto anch'essa viene accusata, messa insieme appunto, in questa accusa di, essere, di ritirarsi dall'architettura moderna. E qual è diciamo, il cuore dell'accusa? È quello di entrare in una risonanza con quel neo, cioè il neoliberty, no? rinnovare il liberty, ovvero è il sogno di ritornare a, eh, ad avere un flirt con la borghesia milanese o torinese, no? cullarsi infantilmente, come dirà, come scriverà Banham, in un gusto borghese, milanese o torinese. No? Quindi Banham coglie perfettamente, io credo, questo aspetto borghese, fondamentalmente borghese di quel momento, di quel, di quel tentativo di Rogers e della sua schiera. Poi Rogers prenderà le distanze dai dal Neoliberty, ma li pubblica su Casabella Continuità in maniera significativa. E sulle pagine di Casabella Continuità anche Aldo Rossi si impegna in una difesa, diciamo così, degli edifici Neoliberty, però finendo per sottolinearne la nostalgia, lo cito, la nostalgia delle forme del passato borghese, intese come necessità di recuperare e saldare, questo è il saggio, e saldare l'equilibrio spesso perduto tra architettura e società. Il tentativo di risaldare il rapporto tra architettura e società è in fondo appunto un sogno, è una sorta di, di nostalgia delle, eh, del passato borghese. E in tutta questa vicenda è interessante che però sia proprio Aldo Rossi quello che prende le distanze dalla nozione di ambiente, no, lo farà in diverse cir circostanze. Eh, per lui l'ambiente non è più adeguato a descrivere e quindi a comprendere i problemi e le modificazioni della città, della città contemporanea, che è sì certo centro storico, ma è anche periferia, come abbiamo visto, è anche rete infrastrutturale, e no? tutte queste cose insieme. Per Rossi, che pure è allievo di Rogers, l'ambiente è superato. No? Lo scrive, lo dice nella risposta alle sei domande che Casabella Continuità pone nel 1961 e lo ribadirà ancora in un paragrafo preciso dell'Architettura della Città, in cui appunto c'è critica al concetto di ambiente. Ed è la nozione di territorio, casomai, quella che entra, appunto, che sta dentro alla eh, concezione rossiana che pure non è che indulge troppo in questo ma sicuramente supera eh, la nozione di ambiente la nozione di territorio di nuovo è quella che invece attraversa molte delle pagine e delle, e delle riflessioni eh, degli architetti italiani negli anni successivi cioè sulla, eh, da, da, dalla fine degli anni 50 alla metà più o meno degli anni 60, per esempio Saverio Muratori come già abbiamo sentito, eh, ma anche Saverio Muratori lo fa da posizioni, anche qua da posizioni politiche molto diverse, la posizione politica di, di Muratori è del tutto come dire, aderente a quella della democrazia cristiana, realizzerà la sede della democrazia cristiana eh, negli anni, alla metà degli anni 50, la sede nazionale a Roma, ma per eh, Muratori, lo scrive nel libro eh, Civiltà e territorio, pubblicato nel 67, il territorio diventa come dire, un marcatore di senso. Cioè, il territorio diventa per Muratori ciò che dà senso alle cose. Nel territorio, cito, il senso interno dell'uomo, della civiltà, del suo rapporto con il mondo naturale si esplica in una direzionalità. È in una struttura di coerenza inequivoca e concorde, il mondo del senso comune naturale. Ma anche base di ogni edificio positivo, umano e civile. Quindi il territorio, per Quarone, diventa la realtà sostanzialmente. È la realtà dentro cui agire e naturalmente dentro cui analiticamente studiarla. No? Perché gli studi per una operante storia urbana di Venezia, di Roma. E l'ultimo studio non pubblicato, perché morirà eh, prima della sua pubblicazione nel 1973, gli studi per un operante storia del territorio. No? Questo sarebbe appunto centrale dentro al discorso che, eh, che qui interessa, no? gli studi per un operante storia del territorio. Però appunto tutto questo è fatto, è, è concepito da, da una parte, ma è territorio l'oggetto, tanto quanto appunto dall'altra parte, nello stesso momento, si studia un'altra versione, no? quella che già abbiamo visto, la città-territorio. Una un espressione che forse coniata da Manfredo Tafuri, ma la cosa non è, non è, non è chiarissima e, e di cui sicuramente Tafuri insieme a Carlo Imonino si occuperà eh, in, quel in questo momento, siamo all'inizio degli anni 60, 1962. È la pubblicazione di questo saggio che esce su, su Casabella Continuità, sempre quella di Rogers naturalmente, e eh, dove, appunto, eh, Tafuri insieme a Piccinato e a Vieri Quilli ci scrive: Il termine di città-territorio costituisce già una prima risposta, un tentativo timido di soluzione a quella domanda che oggi ci appare più che mai urgente: Qual è la dimensione fondamentale cui fa riferimento? nelle nostre ipotesi di sviluppo urbanistico. Il termine città-territorio indica già un cambiamento di scala nell'indagine sulle strutture e non solo una diversa angolazione visuale. Se non si è riuscita a incidere sulla realtà italiana, questo dipende in gran parte dalla mancata comprensione che non i modi di intervento erano carenti, ma la lettura stessa dei fenomeni reali a cui applicare tali modi, È la lettura dei fenomeni, è come se fosse appunto uno sguardo mal direzionato, non è soltanto colpa della non applicazione delle leggi o delle leggi stesse. Però è interessante che lo stesso Tafuri di lì a poco, in realtà l'anno successivo, in un altro articolo sullo stesso tema applicato a Roma eh, su Casabella Continuità scrive eh, che le sempre più generali e generiche dissertazioni intorno al tema della città-territorio contengano in sé il pericolo di costruire una sorta di alibi o quantomeno un modo di rimbalzare i pressanti e vivi problemi della città contemporanea verso orizzonti nebulosi e privi di contenuti operativi è senz'altro un'opinione che ci sentiamo di condividere. Anche se da qualche tempo, proprio del tema della città-territorio e della nuova dimensione degli insediamenti, abbiamo fatto oggetto centrale delle nostre ricerche. Cioè, tipicamente, come fa spesso Tafur, appunto, dire, prende le distanze, bene, nel nostro tempo dice, sì, lo, lo sto studiando anch'io. Però, qualche anno dopo, eh, ovvero passato sì, qualche, qualche eh, ciclo, nel, nell'82, quando scrive eh, il libro su Vittorio Gregotti, Riferendosi a Gregotti dice, parla del suo disincanto che viene eretto ad argine contro gli ottimismi dei teorici della città-territorio o contro l'utopismo degli inventori di facili megastrutture. Per cui eh, negli anni successivi Tafuri in realtà sarà uno dei più grandi critici dell'idea di città-territorio, cioè di questa idea in cui appunto si sfoca l'oggetto a modo di vedere di Tafuri si sfoca, l'oggetto è intervento come in una specie di mega strutturalità complessiva che non è più aggredibile. Però appunto è interessante che sia proprio Gregotti colui che riprenderà e che darà l'accezione più compiuta del termine territorio in tutta questa vicenda e ce n'ha già parlato bene Eric. Ehm, il territorio per Gregotti è alieno da ogni sogno di utopistica manipolazione, come dire, di un oggetto totalizzante da, appunto, da manipolare a proprio piacimento, ma è anche lungi dall'essere un piano di proiezione puramente intellettuale, un'astrazione. No? Il territorio per Gregotti è nel senso più effettivo il territorio dell'architettura, no? è il territorio di un'azione trasformatrice di nuovo, no? che deve eh, che l'architetto è chiamato a leggere e ad accordare, però appunto accordare nella sua complessità, nella sua apertura, in questo ci sono risonanze fortissime di Umberto Eco e di tutta la semiologia di Roland Barthes che cita nel libro, sono presenze fondamentali che vanno tenute conto. E che appunto fanno del territorio per lui una specie di semiologia a grande scala. No? Di nuovo, appunto, ritorna l'idea dei segni come in De Carlo. Ehm, Gregotti, peraltro, lascia anche spazio alla nozione di ambiente, anche Gregotti è allievo di Rogers e ne subisce evidentemente fortemente l'influenza. Ambiente che però si presenta nella sua versione di ambiente antropogeografico. No? Nel territorio dell'architettura è questa e poi anche in libri successivi è questa la nozione che ritorna. Ambiente antropogeografico. Quindi qualche cosa appunto che precisa la nozione di ambiente che pure evidentemente deriva da Rogers ma come vedete lo ricolloca, cioè gli toglie quel senso come dire, un po' troppo volatile e lo riporta invece a un contesto umano e geografico nel nostro tempo. E poi il merito di Gregotti sarà non solo di teorizzare ma anche di analizzare con grandissima cura già in questo numero della forma del territorio ma poi con i numeri, eh, la, la, la lunga serie di, 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 di Casabella da lui diretta negli anni successivi che lavorerà proprio sul corpo del territorio. Analizzandolo, studiandolo, qui se si guardano bene quegli interventi si capisce c'è uno studio molto analitico di precise circostanze territoriali che vengono appunto studiati e poi, e poi i suoi progetti, cioè i progetti, i progetti di, di Gregotti Associati soprattutto a partire da quando le occasioni si potranno porre, cioè all'inizio degli anni 70, sono progetti di territorio, sono progetti in cui appunto la scala territoriale, la Università degli Studi di Calabria, il progetto per l'Università di Firenze, altrettanto del 71, il piano straordinario, il piano particolareggiato per Cefalù, con questi grandi segni, come dire, di, di quasi scultori, se non fossero edifici, appunto, dentro il territorio, come se fosse un grande intervento in land art, no? in una certa misura. Eh, ecco, tutto questo eh, costituisce il merito, io credo, che va riconosciuto in questa, in questa vicenda, Vittorio Gregotti, che costituisce come una specie di punto finale, naturalmente, per un nuovo inizio, non certo che tutto finisca lì. È però significativo che questa unità, questa nuova unità, che territoriale che Gregotti mette a fuoco si sia formata per sua stessa ammissione. Eh, lo, ne, ne parlava eh, un paio d'anni fa in una conferenza al Politecnico di Milano, eh, questa idea diciamo, di unità territoriale gli si è giunta, gli si è arrivata in quell'ottavo CIAM di Oggeton eh, a Londra, eh, in cui partecipa nel 1951. Lui dice, è, è stato in quel momento che io ho capito... Che la dimensione della città o dell'architettura separate erano superate e che invece appunto bisognava ragionare in termini territoriali. Quindi è interessante che alla fine i congressi di architettura moderna ritornino come una specie di causa, una delle cause naturalmente di tutta questa vicenda. Grazie. Oui, alors euh, donc on a un petit peu d'avance sur le programme, ce qui fait qu'on va pouvoir euh, augmenter un petit peu le temps de questions. Euh, avant de... Euh, micro, oui, il marche. Là. Oui. Avant de passer la parole à Benjamin Chavardès, pour, euh, par, qui nous parlera de, de la scène romaine, donc euh, je propose qu'on échange à partir de la. De la conférence de Marco Beraghi. Jean-Louis. Merci uh, Marco, c'est illuminant. Euh, mais je continue en français. Euh, euh, J'ai été frappé par euh, la, la sémiologie de l'imperméable dans, dans tes images. Hein? Il, est-ce qu'on est qu peut dire qu'il y a des imperméables communistes et des, des imperméables démocristiani J'ai trouvé que c'était un élément très fort de, de l'argumentation visuelle. Mais plus sérieusement, est-ce qu'on peut dire que l'ambiente est de droite et le territorio de gauche Si, une certaine mesure, sì, si, même si c'est un peu. una schematizzazione, la, la permeabilità in realtà è una permeabilità che vige, vale fino dal punto di vista politico fino alla fine del governo dell'unità nazionale che in Italia finisce, cioè quello di Parri, partito d'azione, che tiene insieme come terzo diciamo di C e PC. E poi dopo sarà De Gasperi quello che invece va al governo e già questo pur con il PC però questo cambierà l'equilibrio e poi tutto si romperà in realtà con una contrapposizione che non sarà niente affatto permeabile. Saranno, anche se poi sappiamo benissimo che nella politica italiana negli anni successivi ci saranno molti compromessi, non il compromesso diciamo, storico eh, voluto da Berlinguer ma comunque molti accordi, diciamo, forse più di fatto che non. Dichiarato no, tra quelle due forze politiche. Oh, merci. Oui, à la suite de ce dernier commentaire. Alors, oui, nous savons que euh, la libération rassemble beaucoup de volontés. Il y a l'enthousiasme de la reconstruction dans les premières années. Et puis, il y a la rupture à niveau national. Mais euh, ça arrive souvent que les phénomènes de politique nationale ont tendance à cacher des phénomènes de politique locale ou régionale qui doivent faire face à des configurations politiques, soit dans les municipalités que dans des provinces, parfois différentes, et qui, qui obligent justement à maintenir ces dialogues entre Politiques qui à niveau national peuvent se montrer plus antagonistes. Alors ma question spécifique, c'est est-ce qu'il y a des des situations d'aménagement urbain de gestion municipale dans laquelle les gouvernements, soit de gauche ou de droite, continuent à mobiliser les efforts d'architectes ou de ou d'urbanistes qui en principe militent dans l'autre de l'autre côté. Si ci sono ci sono quasi... <coughs> Però adesso bisogna analizzarle con, con maggiore eh, calma, io adesso ho portato qualcuno dei casi più interessanti dal punto di vista della, eh, del, del compromesso, appunto, tra forze politiche diverse. Per esempio l'Emilia Romagna è un caso interessante, anche al di là di quello della cooperativa di Architetti e Ingegneri, perché l'Emilia Romagna. Che è una regione storicamente rossa, di sinistra, però in realtà ha anche una for un forte contributo di altre forze politiche che di fatto trovano quell'accordo localmente. E bisogna studiarle, diciamo, bisogna tornare a studiare bene le questioni diciamo, politico-amministrative e incrociarle con quelle architettonico-urbanistiche per capire fino a che punto poi quella contrapposizione è stata vera, come spesso anche la storia ci ha raccontato, e invece come a volte sia stata falsificata dai fatti. Io riprendo più seriamente. Ho ben amato il ritorno a Gramsci. Euh, qui est effectivement un, des, un guide pour toute la vie intellectuelle italienne. Gramsci traduit très tard en français, très, partiel, très partiellement, et très peu lu dans le monde de l'architecture, lu essentiellement euh, dans le monde des sciences politiques dans la France des années 70, avec des interprétations assez différentes, assez contradictoires, lu surtout autour des questions de l'État et pas tellement autour des questions de, 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 de la culture. Euh, est ce que euh, tu, tu as parlé de euh, évoqué donc la, la figure de et, et eric lafay de Quaroni, et sans personne a parlé du terme de, de de néoréalisme qui est un terme qui a une validité limitée est- ce que à côté de la philosophie de la pratique euh, de la philosophie de la praxis qui n'est pas tout à fait la pratique alors la philosophie de la praxis pourrait-on dire euh, le, le discours de Gramsci sur le, la dimension nationale populaire peut être convoqué pour euh, à titre de critique justement de cette notion bourgeoise de l'ambiance en d'autres termes est-ce que les architectes dont tu dont tu as parlé ont, avaient vraiment lu Gramsci est-ce qu'on a, est qu a des traces de cette éventuelle lecture euh, explicite On sait que l'art de la note infrapaginale a été très très développé en Italie, beaucoup plus de façon plus précoce qu'en France. Donc, est-ce qu'ils l'ont fait de façon explicite, référencée, ou de façon d'une manière plus cachée que l'on on pourrait détecter en, en les lisant de près La, la cultura, ecco, questa idea di cultura nazionale no, è, è fondamentale, sarà fondamentale per la cultura italiana. E, sì, io credo che per, per quegli architetti che erano, che si consideravano si consideravano diciamo, nel, nel loro agire, no, non come etichetta esteriore, si, si consideravano intellettuali, cioè ritenevano che per essere architetti dovessero... Avere quell'impegno a tutto tondo nella cultura e nella politica, non si dava architetto senza questo. No, questo è, la, è il rovesciamento, se volete, di un paradigma odierno. No? Oggi un architetto può anche occuparsi di politica, può anche, cioè è qualcosa che si aggiunge, mentre invece in quel momento non può non occuparsi di politica, per essere tale. E politica nel senso naturalmente no, non per forza con un'iscrizione a un partito, ma una, una diciamo, attività dentro a quel mondo, a, dentro alla polis alla fine, no? cioè la radice di politica no? della città. Ehm, ma fino con delle, con delle suggestioni, cioè, diciamo, è, è soltanto una suggestione, però diciamo che i quaderni azzurri e rossi. Fanno venire voglia di pensare a una specie di mimesi con i quaderni Gramsciani, ma insomma è soltanto una brutta. Devo dire: Tutto questa giornata va essere una lunga conversazione con dei de momenti di domande. Donc on peut peut-être peut euh, donc laisser la parole à, oui, euh, à Jean-Louis, tu veux Non D'accord. Euh, bon ben Benjamin, donc c'est à t'installer. Je vais te présenter. Donc merci Marco. Donc euh, Benjamin Chavardès, est architecte, docteur en architecture, maître de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon, et chercheur au LOR. Il est responsable du projet académique et scientifique. Romain Aura et organise chaque année depuis 2016 une journée d'études internationales au Musée des Beaux-Arts de Lyon intitulée Les Leçons de Rome. Euh, L'ouvrage euh, issu de sa thèse, euh, L'Italie postmoderne, Paolo Portoghesi, architecte, historien, théoricien, est à paraître aux presses universitaires de Rennes. Il a co par ailleurs euh, en 2019 le dossier Héritage théorique pour les, les cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère, dont il est membre de la rédaction. Et après avoir été boursier à l'école française de Rome, il est en 2020, donc c'est tout frais, lauréat André Chastel de l'Académie de France à Rome, euh, et euh, prix également attribué par l'INHA. Voilà. Et donc il va nous parler du, donc, tout naturellement de ces questions du point de vue romain, avec une communication qui s'intitule Le foyer romain, Ludwig quaroni et Savario Muratori. C'est à toi. Merci Eric, merci ce, de cette invitation à participer euh, à, à cette journée euh, où effectivement, alors, euh, le, cette communication était le fruit déjà de discussions euh, pour un peu euh, fait, faire un cadrage. C'est vrai Christiana devait faire cette intervention avant euh, sur euh, ces euh, trois euh, personnages, euh, Samona, Rogers et Quaroni. Euh, et effectivement, je me suis alors euh, concentré euh, sur, j'allais dire, euh, alors le foyer romain, je vais dire l'école romaine d'architecture. Euh, et avec une première difficulté à essayer de respecter, euh, Eric, tu étais, euh, tu tenais euh, énormément à respecter ces, ces dates de 52-66. Euh, donc j'ai, euh, y compris dans l'histoire de l'école romaine d'architecture, tenté de trouver euh, des sens, s'il si, était possible, autour de, de ces dates, ou du moins, euh, on va dire aux alentours. Quand je parle donc d'école romaine euh, d'architecture, je parle de cette première école d'architecture en fait fondée en Italie en, en 1919, avec notamment un, un groupe d'architectes fondateurs et qui vont être longtemps des enseignants de cette école, avec Vincenzo Fasolo en. en comme bon enseignant d'histoire, Gustavo Giovannoni, qu'on a évoqué en enseignant de restauration, Arnaldo Foschini, qui va être l'enseignant le, de composition, donc de, de, de projet architectural, dirons-nous en France, et Marcello Piacentini, le grand architecte du, du, du régime, qui sera l'enseignant le, d'urbanisme. Effectivement, je dis, ils vont rester enseignants longtemps puisque euh, c'est au tournant des années euh, de 1950 qu'ils vont euh, commencer à passer la main en réalité. Euh, Giovannoni euh, décède en 1947, Foschini passera la main en 1954. Et c'est là que j'ai vu l'année 52. On va la chercher là où on peut, euh, puisque Piacentini prend sa retraite et arrête l'enseignement en 1952 et laisse le cours d'urbanisme. Donc le 1952 était tout justifié. Et il va mourir en, en, en 1960. Euh, ce qui est intéressant, c'est que du coup, forcément, ce tournant des années 50, c'est aussi le, la recomposition de ce corps professoral qui va s'opérer et qui va s'opérer au lendemain euh, de la guerre. Alors, ces personnages-là vont quand même, euh, vous le comprenez, traverser euh, tout le régime fasciste et continuer à enseigner au lendemain. On parlait, Marco Biraghi parlait de cette question de finalement de devoir. Euh, reconstruire, j'allais dire, une unité italienne euh, avec finalement aussi ceux qui ont travaillé durant le régime fasciste et un personnage comme Marcio Piacentini, on pourrait spontanément être surpris qu'il continue euh, après euh, la chute du régime. Et on va trouver parmi ces, euh, ces, les nouveaux enseignants, et eh bien en fait aussi les premiers diplômés de cette école d'architecture dont deux personnages, Ludovico Qualaoni et Saverio Muratori, avec des temporalités euh, qui euh, qui vont être quelque peu différentes. Je vous ai épargné, je me suis pas amusé je, à, à vous faire un générique façon amicalement vôtre avec euh, le parcours des deux en parallèle et toute cette histoire, mais c'est un petit peu finalement euh, ces deux personnages qui vont, à mon sens, notamment sur ces questions d'urbanisme et de projets urbains, avoir énormément d'influence et qui vont finalement former au sein de l'école romaine deux écoles, j'allais dire deux écoles de pensée, avec une présence qui va être plus récente pour Muratori en tant qu'enseignant titulaire à proprement parler que Quaroni parce que Quaroni sera entre autres euh, emprisonné durant plusieurs années en Inde euh, durant euh, suite euh, au conflit Muratori alors ils sont euh, tous les deux de la même génération hein. Muratori né en 1910 et Kwaroni en 1911 et ils sont euh, diplômés euh, Muratori en 1933 et Quaroni en 34 Quaroni explique d'ailleurs qu'il aura des problématiques durant son passage à l'école, notamment avec Giovannoni, parce que euh, Giovannoni considère que les propositions de Quaroni à l'école sont des propositions trop modernes. Effectivement, le rapport à la modernité va être un élément euh, un peu compliqué à Rome, d'autant plus dans la capitale, où l'architecture moderne dans les années 30 va quand même tenter d'être l'architecture du nouveau régime, et euh, finalement... Euh, se échouera et euh, certains architectes euh, que, euh, auxquels on, on voyait de belles dessinées, j'allais dire en termes d'architecte, en tant qu'architecte moderne, vont faire quelques compromissions, je pense à Adalberto Libera, euh, avec euh, le régime. Les, euh, ces deux euh, jeunes diplômés vont aussi, euh, c'est quelque chose qu'on relève peut-être peu souvent, euh, commencer une fois diplômés, en fait, à travailler ensemble. Ils ont leur activité en tant qu'architectes entre 1935 et 1939 euh, ensemble dans une même agence avec Francesco Fariello. Et c'est ensemble qu'ils gagneront le projet euh, de la Piazza Imperiale dans le quartier de léour le quartier donc dessiné. Euh, euh, par euh, Piacentini, et il gagne ce concours en collaboration avec un autre architecte euh, on a, dont le nom n'a pas été évoqué encore aujourd'hui, qui est Luigi Moretti, qui est aussi un, un architecte marquant euh, de cette architecture euh, italienne et romaine. ils vont commencer alors à être à intervenir d'abord comme ça se fait soit en tant qu'assistants en donnant parfois même quelques cours muratori c'est en enseignant entre autres, l'histoire contemporaine et la question d'enseigner l'histoire moderne et contemporaine va aussi être un enjeu et de savoir où se place la modernité dans l'enseignement au sein de l'école de Rome ça commence déjà dès la création de l'école avec des débats sur la place de l'histoire, la question de la modernité va être aussi euh, des débats sur lesquels les uns et les autres ne seront pas d'accord, et certains même euh, se verront euh, parfois, euh, euh, j'allais dire, mis dehors de mémoire. Il me semble que c'est le cas de euh qui va être maltraité parce qu'il veut enseigner euh, la modernité euh, à l'école de Rome. Et effectivement, ça correspond pour Muratori à des premiers écrits qui n'ont rien à voir avec les écrits sur la typomorphologie, mais qui sont plutôt des écrits sur la question du mouvement moderne et sur des architectes comme Asplund et toute la culture aussi scandinave, qu'on va retrouver entre autres dans les, projets, les premiers projets architecturaux. Finalement, Muratori... Euh, va enseigner à, à Rome à partir de 1954, puisque c'est lui qui prendra la succession de Foschini à la tête du cours de composition euh, et euh, enseignement qu'il euh, conservera de 1954 euh, à 1973. Après avoir enseigné euh, de 1950 à 1954 à Venise, où Samona est déjà directeur va, et va chercher à faire en sorte que Muratori ne soit pas enseignant. Malheureusement, ce n'est pas pour le coup lui qui a la main et on va lui imposer la présence de Muratori. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est enseignant à Venise entre 1950 et 1954, ce qui correspond aussi plus ou moins à la période de ces euh, summer school des SIAM à Venise. Et on voit bien qu'il n'est pas présent et qu'effectivement, on n'est pas dans la même école euh, à ce moment-là à Rome, il il commence en 54 et il est préféré pour prendre la suggestion, justement à Adalberto Libera à qui on reproche à ce moment-là d'être aussi trop moderne comparé euh, aux positions de Muratori ce qui est aussi euh, révélateur sur les positionnements. Quaroni lui va commencer comme assistant en 1937 et il est assistant dans le cours d'urbanisme de euh, Marcello Piacentini. Et là aussi, je trouve toujours intéressant de voir que euh, Quelqu'un comme Ludovico Caroni qui va incarner le renouveau à l'école de Rome et a quand même commencé comme assistant de, Mar... de Piacentini, ce qui est quand même l'aspect sans doute le plus conservateur par rapport euh, notamment au régime. Et puis il sera aussi l'assistant de Plinio Marconi qui va être alors pour la petite histoire aussi, le père de Marco Marconi, qui sera plus important pour la question de la restauration, mais de Plinio Marconi qui lui sera aussi l'autre enseignant d'urbanisme. Quaroni va être enseignant après euh, à Naples et puis à Florence, avant en 1963 et bien de faire son retour à Rome et de faire partie avec Bruno Zevi et euh, Luigi Piccinato de ces enseignants qui viennent pour justement incarner le renouveau de l'enseignement au sein de la faculté d'architecture de Rome. Au sein de cette faculté... Euh, les deux vont avoir une influence importante euh, et vont, créer, euh, vont avoir leurs héritiers. Alors, sans doute Muratori moins que Coaroni. Euh, que Muratori à travers notamment toute l'école de, de euh, typomorphologie. Euh, je pense à, à Gianfranco Canigia, qu'on qu connaît aussi en France dans, dans la suite. Et puis. Euh, Quaroni aussi à travers un certain nombre d'architectes euh, dont il va diriger les diplômes, que sont par exemple Franco Polini, Massimiliano Fuxas ou encore Manfredo Tafuri, euh, qui sont des élèves de Quaroni. Une des reconnaissances euh, de cette importance de Quaroni à Rome, c'est quand même lorsqu'en 2000, euh, la faculté d'architecture se scinde en deux facultés d'architecture, dont une qui prend le nom de faculté d'architecture Ludovico Quaroni ce qui a disparu depuis, puisque les deux se sont euh, réunifiés en 2010. Deuxième élément, alors sur cette période, maintenant que j'ai trouvé mon 1952, euh, c'est qu'effectivement, ça a été évoqué, mais c'est difficile euh, de ne pas euh, parler dans cette période-là. Euh, entre 1949 et 1963, de la question de l'Inakaza. On a parlé de la question de la reconstruction. On a évoqué déjà cette Inacazar, mais qui va être un lieu, alors, euh, d'une part euh, de travail sur la ville, mais sur les périphéries, et aussi euh, d'aborder, à proprement parler, aussi l'échelle urbaine. Avec euh, des préoccupations qui sont pas forcément sur la question j'allais dire urbaine dans un premier temps. Euh, L'ina euh, casa, c'est quand même avant tout déjà un plan euh, politique. C'est le plan FANFANI et euh, n'est pas ministre de l'urbanisme, mais c'est bien le ministre du travail. Et donc il y a euh, un enjeu autour de la question du logement et une, un enjeu autour de la question de l'emploi et du travail. Et euh, c'est entre autres une des raisons qui explique que l'architecture des quartiers Inacasa va chercher à adopter une esthétique ou du moins des modes constructifs qui sont maîtrisés par une main-d'œuvre italienne alors L'autre élément, c'est la concentration effectivement sur la question du logement, euh, qui va euh, l'emporter sur le fait de faire ville à proprement parler, et donc on a des quartiers qui sont occupés énormément par logement. La question des équipements et peut-être euh, et des espaces publics passe au, au second plan. Les deux. Euh, Muratori et Quaroni vont être euh, impliqués dans euh, ce programme Inacasa, programme qui d'ailleurs euh, euh, voit nommé en 1948 à la tête de l'Istituto Inacasa, Arnaldo Foschini, qu'on retrouve là aussi euh, durant tout ce programme-là. Muratori va euh, notamment livrer sur Rome euh, quatre proje euh, trois projets. Euh, Inakaza, à chaque fois, en collaboration avec Mario De Renzi, qui est lui aussi un des enseignants de la faculté. Et il y a donc, y compris, un, un lien toujours très fort entre les, les enseignants et l'école la, euh, la, et euh, le monde professionnel. Le premier projet euh, Inakaza, euh, signé de, de Muratori et De Renzi, euh, prend place euh, sur le lido d'Osti et euh, va finalement euh, être constitué essentiellement par euh, des, euh, des édifices assez peu élevés, hein, à part, quelques, à part euh, quelques tours, enfin surtout cette tour euh, en étoile, et va... Plutôt essayer de profiter d'une configuration bannaire pour euh, profiter à la fois de euh, des pins du, du, pays, du paysage, j'allais dire déjà euh, présent, mais va révéler très tôt ce qu'on va voir euh, sur les autres projets, c'est que les projets urbains euh, Inacasa de, de Muratori sont à chaque fois plutôt concentrés sur la question de la typologie architecturale qui va permettre de constituer euh, l'ensemble urbain. Et le dessin urbain, du coup, va être réduit au minimum et défini par les édifices. Dans euh, le projet euh, Stella hein, Polar, euh, Valco-San Paolo, euh, on va retrouver un certain nombre de typologies euh, déjà euh, présentes à Osti hein, comme les immeubles en étoile, ces maisons mitoyennes, les petits, euh, ces petits euh, collectifs, et c'est avec ces euh, différentes typologies. Euh, que on va euh, constituer euh, euh, ce plan de, de ce quartier Inacasa. Le troisième, c'est le Tuscolano doué alors sur lequel, sur le plan, il faut euh, euh, au moins signaler euh, l'ensemble horizontal de, de Libera ici. Mais euh, tout le quartier reprend cette idée euh, des, euh, de composition avec ces différentes typologies hein, qu'on retrouve d'un quartier à un autre. Et ici avec une tentative aussi d'expérimenter une grande échelle urbaine, euh, du moins beaucoup plus importante que euh, sur les quartiers précédents. Cette période, euh, ces projets correspondent à la période où euh, Muratori donc, est enseignant à Venise. Et durant les années 50, où il va plutôt être porté sur la question de l'analyse typomorphologique et l'étude de la ville historique. Et sur, finalement, des opérations plutôt de restauration urbaine. Et c'est ce type de travail-là qu'il va donner à ses étudiants à ce moment-là. Et puis, en 56, il va explorer avec le quartier Nakaza euh, à la Maliano, euh, d'autres euh, méthodes de, 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 de projets urbains, euh, en essayant, en explorant plusieurs solutions, euh, comme on le voit ici, euh, autour à chaque fois d'une place centrale, et avec euh, euh, ces différentes branches, qui sont autant de, de structures qui ont vocation euh, euh, à, à la fois euh, s'implanter en fonction... Euh, du site et de la morphologie du site, et à la fois à créer des perspectives sur le paysage, profitant effectivement de la, euh, la, euh, des caractéristiques du site euh, de Maliano. Euh, ce projet va aussi annoncer en partie celui qu'on verra après sur euh, le quartier euh, pour le concours de Baren San Giuliano à, à Venise. Au même moment, donc, euh, Quaroni va lui aussi participer à des, euh, des projets d'Inakaza. Euh, mais il me semble important, peut-être, il serait intéressant à un moment d'avoir un, un ciblage sur l'action d'Adriano Olivetti, qui est quand même un personnage important, à la fois pour les transferts, me semble-t-il, et la façon dont. Euh, les, les sources anglo-saxonnes vont venir en Italie, elles vont être diffusées, et en même temps, sur son importance, on l'a évoqué sur le, la Martella, euh, dans euh, l'animation euh, du débat même euh, en Italie. Euh, en 1949, la revue Urbanistica va devenir euh, la publication officielle de l'Istituto Nazionale di Urbanistica, avec comme nouveau directeur Adriano Olivetti. Euh, et on va trouver dans le comité directeur de cette revue euh, à la fois Caroni Moratori et Samona. Euh, et le lien entre euh, Adriano euh, Olivetti et Quaroni va être important et ils vont notamment travailler ensemble sur euh, Ivrea et sur euh, ce plan régulateur général. C'est aussi l'autre remarque. Je, moi, je n'ai pas euh, développé euh, ce... Euh, ce plan régulateur, mais j'allais dire tous les plans régulateurs, c'est-à-dire qu'on présente souvent, comme je le fais aujourd'hui, la question des, des, euh, des quartiers Inacasa, on, on présente un peu moins des études sur les plans régulateurs. Or, tous ces architectes travaillent sur un certain nombre de, euh, de plans régulateurs. Euh, Quaroni, à Ivrea, Rome, Ravenne, Cortone ou Bari. Euh, Muratori travaillera aussi au plan régulateur général de, de Rome. Et dans la revue. Euh, Urbanisica, donc le numéro 1 en 49, va entre autres publier un article de Lewis Mumford, euh, Pianification per les diverses phases de vita, euh, qui va euh, inaugurer euh, la diffusion euh, des théories de Mumford en Italie. Quaroni va lui donc participer à l'Ina Casa, on a entre autres évoqué la Martella qu'on va voir après. Et avant, on a effectivement ce quartier Tiburtino qu'il signe avec Mario Ridolfi, dans lequel on trouve cette géométrie de quartier qui à la fois suit la topographie du site, mais qui a cette volonté aussi de créer un dessin urbain qui puisse sembler spontané et avec une architecture qui est justement celle euh, que quelques années après, en, en 57, euh, Quaroni sera le premier à, à aussi critiquer euh, dans euh, son article dans Casabella euh, sur Il euh, pays des barreaux au où il euh, finalement il, il revient sur ce qu'il va considérer euh, comme le résultat euh, d'un état d'âme l'autre quartier, donc je, je passe rapidement sur euh, celui de euh, la martella qu'on qu a évoqué, avec là aussi cette géométrie euh, qui se veut euh, spontanée. Euh... et euh, la critique de, de ces premiers quartiers va amener donc ludovico caroni à travailler dans un autre sens. c'est entre autres ce que euh, montre ce euh, quartier san giusto à Prato, euh, dont il livre euh, le plan en, en 1957, où on voit bien que euh, cette fois-ci, euh, ces, euh, ces modes de composition urbaine n'ont plus rien à voir avec, avoir avec euh, cette recherche de euh, langage euh, euh, pseudo-spontané. En 1959, euh, à la fois euh, l'ouvrage de Samona dont on a parlé, l'Urbanistica euh, et l'Avenir de la Chite, euh, dont Quaroni est donc le, le premier euh, à, à faire une récension dans la revue Casabella, et le concours Baren-San Giuliano euh, lance symboliquement le départ de, de cette question de la nouvelle dimension, et euh, avec, entre autres, l'affrontement entre. Euh, diverses propositions, hein, les propositions de Samona, de Quaroni et du Muratori, et en grande partie, euh, et notamment celles de Quaroni et de Muratori, puisque euh, Muratori va gagner euh, ce concours, même si le projet ne sera pas réalisé. Le, euh, le projet de Muratori va être, entre autres, appuyé euh, sur ces travaux. Euh, qu'il publie dans la, le Studi per inoperante Storia Ubana di Venezia, euh, et donc sur la lecture de l'histoire morphologique de la ville de Venise, qui va correspondre euh, pour lui à trois époques. Et on va retrouver ces trois époques euh, dans les trois propositions qu'il fait pour le euh, projet euh, de Baren San Giuliano. La première typologie, alors de, à gauche, vous avez ce qu'il appelle les estuarios uno et estuarios doué. Euh, le estuario, la proposition estuario non euh, correspond en fait à une première typologie qui est le campo quadrangulaire qui est euh, avec situé au cœur d'un îlot où chaque îlot euh, est indépendant et c'est pour lui l'image de la composition de la Venise du 10e et du XIe siècle. Avec finalement ces petits îlots qui sont autant de, de petites paroisses, et il reprend cette composition, cette morphologie-là de la ville de Venise pour la réinterpréter dans cette première proposition. La deuxième proposition reprend une typologie en peigne avec des parcours, des canaux et des parcours terrestres qui sont parallèles et avec des structures perpendiculaires entre les deux et qui est pour lui le développement de la Venise gothique. Et il propose ainsi cette ville euh, qui est constituée finalement d'autant de péninsules. La troisième typologie, qui est en fait le réel projet euh, qu'il propose, est euh, euh, celle qui met l'accent sur les parcours terrestres, parcours terrestres à l'intérieur, mais le long des canaux, avec des édifices qui vont être eux, alignés sur, euh, sur ces canaux. C'est euh, ce qu'il euh, voit comme la Venise Renaissance et moderne du, du 16e au 18e, et qui va être caractérisée par la prééminence des parcours terrestres sur le parcours des canaux. Ce qu'il formule aussi avec deux parties sur la ville alignées sur, euh, avec cet axe central qui s'ouvre progressivement, euh, l'axe maître Venise. Ce qui est intéressant aussi de voir ici, c'est l'absence de la ville de Venise dans ces dessins, ce qui est généralement bien plus mis en avant et en exergue dans le projet de Quaroni, qui lui va proposer. Alors, un projet, on, a, on a déjà aperçu ces images avec ces, ces signes à grande échelle, et c'est finalement une planification ouverte, parce que même si un plan est proposé, l'idée est bien pour Quaroni de proposer non pas quelque chose de figé, mais justement quelque chose qui puisse euh, s'adapter à la fois en fonction des projets des architectes et à la fois en fonction de cette participation. Il y a euh, aussi dans ce projet-là un lien avec les idéogrammes de Kevin Leach euh, qu'il reprend, réinterprète ici, en proposant finalement un plan idée ou un modèle directeur euh, qui propose donc une structure qui, ne, qui se veut non figée. Et qui, euh, sur certains aspects, va aussi rappeler ce que euh, Giancarlo De Carlo appellera les, les pro, le projet guide. Après ce projet-là, en 1963, Quaroni euh, euh, revient à Rome. Euh, 1963 va correspondre aussi à l'organisation à Arezzo d'un séminaire euh, sponsorisé par la Fondation Adriano Levetti. Organisé par Quaroni, Des Carlo, Rossi et Tafuri, et qui va avoir pour but de reconsidérer l'enseignement du design urbano dans les écoles d'architecture. Et donc vont être conviés à ce séminaire des étudiants, mais ceux qui se veulent être les meilleurs étudiants des différentes facultés de, alors de celles qui existent à ce moment-là Turin, Rome, Milan, Venise, Naples. Par Florence et Gênes, qui sera officiellement créé deux années en 1965, deux ans après. 1963, c'est aussi la période qui va marquer réellement les problèmes de Muratori au sein de la faculté d'architecture de Rome, où il va se retrouver de plus en plus isolé. Elle est organisée au mois de novembre. Un grand raout au cinéma, le Roxy, où Muratori va venir s'expliquer, entre autres, sur sa pédagogie, et ce dessin illustre, entre autres, on voit Muratori sur son tricycle à l'avant, avec le reste de l'école romaine derrière, avec un très beau carrosse tiré par Paolo Portoghesi et Manfredo Tafuri, et, entre autres, Ludovico Quaroni et Luigi Piccinato sur en train de mener le carrosse avec Zevi euh, euh, qui fait euh, l'objet de ce ballon euh, accroché euh, au carrosse. Les deux enseignants euh, Marino et Rosico à l'intérieur étant euh, euh, deux enseignants qui enseignent à ce moment-là le, le projet au, au sein de, de la faculté. 1963 est donc aussi le moment où le cours d'enseignement de, de, de projet architectural va être dédoublé et Muratori ne sera plus le seul à le mener, mais l'autre cours sera mené par Ludovico Quaroni. Et donc l'opposition va aussi se marquer directement dans l'enseignement. Et euh, le passage de Quaroni entre Florence et Rome va aussi être pour lui. Le fait de changer de discipline. Il enseigne l'urbanisme à Florence et il va arriver à Florence, à Rome, pour enseigner l'architecture, la composition architecturale. Euh, ce qui est significatif en ce sens que euh, ça manifeste aussi le fait que la question du projet urbain, peut-être qu'on peut l'entendre en France ou du design urbano n'est plus un enseignement qui se veut inclus dans l'enseignement d'urbanisme, mais dans l'enseignement d'architecture, et qui est une union réelle et le fait d'affirmer de manière très forte l'unité entre architecture et urbanisme. 1963 sera aussi, Arthur, on a chacun nos dates. Hein, euh, 1963, c'est aussi euh, la publication euh, de l'autre volet, euh, le Studi per un'operante storia urbana di Roma, qui va marquer pour euh, Muratori euh, le passage de l'analyse urbaine à l'analyse territoriale, puisque à partir de là, il va se lancer euh, dans euh, ses travaux euh, à l'échelle territoriale. C'est à cette période-là, en euh, 1964, que Quaroni va aussi travailler sur euh, le projet euh, pour le quartier Casilino à, à Roma, où on voit qu'il va continuer euh, les recherches de, euh, de Venise, avec diverses hypothèses qui illustrent les recherches de Quaroni sur le rapport entre normes et formes dans le dessin et euh, la question du. Euh, le caractère fini de la ville. On a aussi tout un travail sur à la fois comment conserver une individualité à chaque édifice et à la fois réussir à faire unité au sein de ce quartier. Tout ça, toujours par cette question de la figuration urbaine. Alors, avec différentes hypothèses, une solution, une première solution où il va euh, utiliser des, ces édifices euh, sinueux pour créer l'espace urbain, une deuxième solution euh, en proposant euh, des cours semi-ouvertes, euh, etc., euh, jusqu'à finalement la solution qui va être adoptée euh, à gauche avec ce système radial. Euh... Alors oui, effectivement, avec un certain nombre de références sur ces projets. Alors, j'ai conservé parfois des références qui sont euh, utilisées par Quaroni lui-même lorsqu'il publie la Tour de Babel. Tour de Babel qui publie en 66-67 et qui se finit comme ça avec un volet d'images de référence et dans lequel on retrouve notamment euh, le plan au but qui n'est pas euh, sans euh, euh, présenter un certain nombre de proximités avec un certain nombre de, de ces hypothèses. Le quartier Casilino va donc. Euh, euh, retenir ce système radial euh, dans lequel on va retrouver le rapport entre cette question du signe et euh, la forme euh, d'un amphithéâtre. Alors le rapport à l'histoire est, est, me semble-t-il, sans doute tiré par les cheveux sur la forme de l'amphithéâtre antique, surtout à cette échelle-là, et surtout avec un projet qui va essayer, là aussi, de suivre la topographie avec ces, ces immeubles qui vont être en, en grade. Le, euh, le dernier épisode, pour essayer de pas trop dépasser, euh, puisque j'arrive à la limite de l'année 66, euh, je me suis permis cette folie d'aller jusqu'à l'année 67. Euh, J'espère là encore, euh, Eric, que tu, tu me le pardonneras. Euh, juste, puisque en 67, on a à la fois, alors, Purmuratori, c'est la publication de Civita et Territorio, et là, je vais euh, pas trop anticiper sur le travail de euh, Luc je vais chercher le prénom, de Luc, euh, Baboulet cet après-midi, juste pour évoquer le fait qu'à partir de 61, euh, Muratori va freiner progressivement son activité professionnelle et va se consacrer quasi exclusivement à son travail d'enseignement et de recherche, et son activité, euh, du coup, pédagogique va devenir bien plus centrale pour lui, alors même qu'il est de plus en plus contesté dans ce rôle-là. Euh, entre 1961 et 1967, Muratori va changer d'échelle euh, dans son enseignement également. Et après euh, ses projets pour euh, euh, des extensions ou euh, le fait de travailler sur le remaillage de, de la ville, euh, justement, il va, il va euh, travailler sur des zones d'expansion de la ville. On est, il est plus de demander aux, aux étudiants de travailler sur un projet d'insertion dans un tissu urbain consolidé, mais plutôt de travailler sur une méthodologie d'intervention, comme il le dit, dans la réalité urbaine. En fait, il y a une progression chez Muratori qui part de la typologie architecturale, qui va ensuite s'enchaîner sur la... la morphologie urbaine et le lien entre typologie architecturale, et morphologie urbaine et il va continuer ses analyses de l'architecture à la ville pour passer au territoire et on a, me semble-t-il, vraiment cette progression qui se fait de manière assez logique dans les échelles mais toujours en cherchant dans l'analyse, là encore, territoriale eh bien, un lien, une analyse qui se fait par l'histoire, dans l'histoire du territoire euh, même s'il y a d'autres éléments et une volonté de mettre en place une méthodologie euh, très claire J'allais dire, voire parfois un peu trop fermé. De son côté, Quaroni euh, va lui poursuivre et euh, en plus de la publication 67 de La Tour de Babel, euh, l'autre élément euh, intéressant est ce projet euh, qui se fait alors avec une équipe, vous le voyez, euh, assez riche. Euh, avec des personnages, avec, on trouve euh, Ricardo Morandi euh, qui maintenant est, est, est énormément connu en France hein, euh, depuis euh, malheureusement le, la chute euh, du, euh, du viaduc de Paul Savera euh, à Gênes. Euh, on retrouve euh, Bruno Zevi dans, euh, dans cette équipe et aussi Mario Fiorentino que euh, j'évoquerai rapidement euh, pour finir. Euh, ce projet de l'As à Trezzato, euh, c'est euh, un projet qui prend place donc à Rome. J'ai peut-être voici, euh, comme ça on prend bien conscience de, de l'échelle du projet euh, et qui est une recherche et des hypothèses qui visent à dépasser d'une part la question euh, du zoning et euh, qui marque aussi la volonté. De maîtriser le processus euh, du projet euh, urbain, et du projet territorial, y compris dans le, dans, de manière tridimensionnelle, et de maîtriser la forme de la croissance de la ville. On est sur la recherche de nouveaux instruments donc, pour contrôler ces, euh, ces projets, tout en conservant une, un système qui se veut ouvert. Et il propose ainsi euh, cette euh, épine dorsale. Hein, qui s'isolait sur, sur ces chemins, euh, qui est voulu euh, comme une épine dorsale de la ville, mais aussi euh, par extension du territoire régional et voire même national. Avec une série de polarités qui ne sont pas sans évoquer, me semble-t-il aussi, certains plans à une autre échelle de right, euh, on a vraiment l'impression d'avoir... Euh, l'influence, j'allais dire, de Zévi, mais on sait que Wright, ce pas simplement après Zévi sur les plans, mais qui prennent du coup ici une autre, une autre échelle. Je pense entre autres à un projet pour Bagdad de Wright, mais bon, évidemment, il y en a d'autres. Et euh, on va trouver autour de, de, ces, de ce groupe d'architectes, de jeunes architectes, qui vont aussi être les assistants dans ce projet là et je pense à notamment le groupe métamorphe euh, mais à mario Fiorentino qui lui va participer directement parce que ce projet là ne finalement n'aura pas de débouché à proprement parler si ce n'est et je voulais finir là dessus que l'immeuble du corvial à rome n'est pas sans présenter un certain nombre de similitudes avec ces projets là et que c'est à mon sens sans doute L'héritage principal bâti euh, de ce type de projet, euh, en nous proposant un projet qui, aujourd'hui, euh, avec un bâtiment d'un kilomètre de long complètement isolé dans la campagne romaine, a du mal à trouver sa place et pose un certain nombre de problèmes. Et donc, cette extension euh, et cette maîtrise euh, du territoire par extension euh, est allée jusqu'à poser ce type de problématique-là. Euh, et qui va pourtant, euh, c'est euh, ce type de projet, être euh, le type de projet développé par énormément d'étudiants en architecture euh, qui sont aujourd'hui euh, pour, euh, pour partie les enseignants de l'école d'architecture encore de, de Rome, même s'ils partent petit à petit tous à la retraite, euh, et qui ont développé ce type de projet qui ne sont pas ceux forcément qu'ils auront pu réaliser par la suite. Je vous remercie. Merci. Ces derniers projets montrent la prudence qui était la mienne de m'arrêter en 66 pour nous épargner tout ça. Mais euh, euh, merci. Euh, bon, question calendrier, on a un peu rattrapé, profité du retard. Je propose tout de même qu'on qu conserve un peu du, du délai pour cet après-midi, pour un petit peu allonger les, les conférences des uns et des autres. Euh, donc, on devait s'arrêter euh, à, à, à midi 30. Je propose qu'on s'arrête à, à midi 15 et qu'on reprenne du coup plutôt à 13h45 pour euh, profiter de cette avance. Ce qui laisse euh, le temps pour quelques questions euh, suite à la... cet exposé sur les deux Romains de l'affaire. Alors, Jean-Louis. C'est juste une. Demander à Benjamin une petite clarification. Je crois que tu as, pas, tu as été très, très sibyllin sur, euh, sur l'enseignement de, de Muratori. Et je pense que tout le monde ici ne, ne connaît pas ça dans le détail, comme tu peux le, comme tu peux le connaître. Est-ce que tu peux revenir euh, à la fois sur les hypothèses de l'Operante la, de la, de Storia et sur les thèmes d'exercice qu'il donnait Parce que euh, ça a quand même été un, ense un, un enseignant polarisant. Euh, tant à Venise qu'à Rome. Et je pense qu'il serait peut-être pas mal de revenir là-dessus et, de, et de, de contraster ça euh, avec Quaroni. Donc, Muratori et Quaroni, pédagogue. Euh, Qu'est-ce que ça donne Quelle est la matrice des, ah, des divergences et des convergences ah, c est, c est... En, en t'écoutant me poser la question, je pensais à, à, à quelques lignes que tu as justement à ce sujet-là, notamment sur l'enseignement de de Muratori, où tu, tu évoques de manière très critique dans l'italophilie euh, l'exercice sur la chapelle à plan central, euh, qui effectivement va être un des exercices. Alors en fait, l'enseignement de Muratori, c'est un enseignement sur deux années, c'est la quatrième et la cinquième année dont on parle à chaque fois. Et euh, un premier type d'exercice va être un, un exercice... Euh, plutôt sur, sur un édifice et donc il y a ce, ce, ce grand exercice de la chapelle à plan central euh, qui part mais parce qu'il y a aussi cette j'allais dire cette tradition romaine de, du rapport à l'histoire euh, d'où tout un une étude sur la question des typologies euh, et d'une réinterprétation dans les projets et c'est vrai que la plupart des projets qui sont donnés euh, et qui sont, qui sont réalisés dans le cadre de, de cet exercice sont plutôt euh, euh, sur des écritures, on va dire, euh, loin de l'écriture moderne, euh, que dont Muratori, par ailleurs, euh, pouvait faire euh, la, la promotion. Euh, L'autre exercice, plutôt sur la deuxième année, va être plutôt euh, sur euh, des euh, parties de, de, de quartiers d'insertion dans, dans un tueur, tissu urbain existant. Et là aussi, va s'appuyer sur les exercices de typomorphologie, c'est-à-dire qu'en fait, les... Euh, les analyses qu'on trouve dans, dans les ouvrages sont aussi des, des, des travaux qu'il va développer euh, avec euh, ses étudiants. Sur l'enseignement de Coronnie, je vais être beaucoup plus court je t'avoue parce que euh, c'est pas encore la partie que j'ai le plus approfondie et je ne voudrais pas te dire de, de n'importe quoi sur l'enseignement euh, particulier sur les, les exercices. Si ce n'est que euh, les étudiants euh, participent euh, avec euh, leurs travaux, de toutes ces réflexions qui nourrissent, notamment ce projet, le projet sur Rome, de 67. Et puis en plus, il y a à chaque fois un livre entier qui a été fait sur l'un et l'autre sur le renseignement. C'est difficile de tout résumer, mais voilà quelques, quelques éléments. Oui, à la suite de, de ces commentaires, tu as mentionné que chez Muratori, il y a une, y a une croissance d'échelle dans son analyse vers le territoire au fur et à mesure des années. Je me demande si parce que Muratori était une personne à penser fortement traditionnaliste, qui n'était pas trop à l'aise avec la direction que prenaient les choses dans le monde. Je me demande si cette, 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 ces analyses territoriales acceptent la condition métropolitaine de Rome et des, villes, et des grandes villes italiennes, ou, si, ou bien si ce n'est pas dans cette direction qu'ils bougent Puisque déjà, en Conquadronie, c'est évident, dans leur projet, de l'Inacasa jusqu'au plan pour la, pour la 167, il y a cette, 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 cette acceptation de, de, et cette volonté de faire face aux nouvelles réalités métropolitaines. Est-ce que la territorialité chez Muratori... Dans, son, dans sa dernière étape se formule aussi à travers l'acceptation et l'analyse de la métropole. Je pense qu'on aura des éléments cet après-midi avec Luc là-dessus, mais euh, euh, à, à mon sens, on est plutôt euh, effectivement dans une continuité avec les travaux précédents et pas forcément là-dessus. Euh, il y a une autre part de, 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 de ce, ces réflexions euh, qui est sur la question de. Euh, de, je cherche le terme, plus dans le, comment dire, dans la posture de, de l'architecte dans ce travail-là. Et donc la question de la ville contemporaine, je, 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 pour moi, passe au second plan comparé, effectivement, à une approche qui est plus, encore une fois, liée à ces analyses historiques et cette continuité par rapport à ses travaux précédents. Mais je, encore une fois je pense que c'est lui qui, nous, qui apportera plus de réponses d'après moi là-dessus. Oui, peut-être une petite remarque, parce que cette discussion euh, m'a fait euh, réfléchir sur un, un texte de Karl Aimonino, Aimonino que j'ai lu, justement, il parle de la question métropolitaine. Et, et surtout, c'est quelque chose qui, qui m'a fait réfléchir quand j'ai lu ce texte, euh, c'est cette prise de position d'Aimonino en faveur, justement, d'un développement métropolitain et surtout, en contraposition... Euh, avec cet urbanisme du quartier qui finalement tu nous montres, tu, tu nous parles justement de euh, tu nous as montré beaucoup des quartiers. C'est la question du logement, mais c'est aussi la question du, euh, du quartier. Et donc, je crois que nous aurons la possibilité, euh, de, de, justement, de réfléchir sur tout ça. Mais j'ai l'impression quand même que cette idée de città territorio euh, pour certains, c'est aussi une opposition vis-à-vis -vis de cet urbanisme du quartier. Euh, tu as cité, justement, Adriano Olivetti. Adriano Olivetti, c'est la communauté. Et euh, c'est justement... Côté urbanisme côté architecture, aussi la construction des inacases, des quartiers, pas seulement en Italie, mais partout dans le monde, dans le niveau planning, planning, l'unité de voisinage et tout ça. Donc, donc je crois que c'est intéressant qu'eux, ils se positionnent. Après, Quaroni, je ne le connais pas, mais j'ai l'impression que lui, il évolue. Il passe justement de cette réflexion sur le quartier à une réflexion qui peut être plus à l'échelle métropolitaine. Oui, je suis un peu, j'allais dire, naïve dans les, la culture italienne de cette époque. Euh, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas encore très bien, c'est le passage de, de la rhétorique sur la typomorphologie et puis cette production de, de formes urbaines qui sont en faites de l'ordre de la mégastructure. Alors soit la mégastructure organique en éventail euh, ou alors la mégastructure en, en nid d'abeille. Donc, euh, est-ce qu'il faut donc opposer Moratori à Rodi là-dessus ou pas complètement Parce que quand on voit les, le projet pour, pour Venise, euh, dans le, le projet de Morator, il y a aussi une, une, un effacement aussi de l'échelle de parcellaire, no, not, notamment. Alors, euh, si on prend plutôt que le discours, l'analyse des formes, qu'est-ce qu'elles disent oui, moi je je, je je le perçois pas forcément. Alors l'opposition, oui. Moi je, je très clairement je, je je vois la cette opposition là entre Muratori et Quaroni, euh, qui se développe, à mon sens, dans un deuxième temps. Euh, après l'effacement le, euh, du parcellaire chez Muratori, je suis euh, euh, Justement, même dans le projet de Venise, moins, moins convaincu de, de cette disparition comparé effectivement, aux grands gestes, à cette volonté de, de, de figuration par ces grands signes que euh, intègre Quaroni dans ses projets. Donc. Euh, non, je, voilà, pour moi, il y a vraiment opposition euh, entre, entre les deux, et deux directions, effectivement, euh, qui vont être complètement opposées, et euh, qui, de manière caricaturale, euh, c'est un peu la modernité contre euh, la tradition euh, euh, telle qu'elle peut être présentée de manière très, euh, j'allais dire, euh, euh, rapide, euh, couramment, sur, sur la deuxième partie, euh, de, à partir des années 60, quoi. Euh, oui, effectivement, enfin, je, je me reposais la même question que, que la personne sur cette euh, grand écart qui, qui apparaît, évidemment, quand on projette les images comme ça. Je me demande quand s'il n'y a pas une hypothèse qui rejoindrait le début du topo qui a été fait par, par Eric, c'est-à-dire le, le background de Tim Ten. Euh, qui, à cette époque-là, quand même, tout le but du jeu, c'était d'essayer de reconstituer la rue, la rue haute, la rue incursive. Euh, avec, des, avec des formes de, de mégastructures. Mais, mais l'idée même, par des chemins très divers, il y en a qui essayaient de retrouver la rue, pour parler simple, ou la rue vénitienne ou les espaces publics euh, du centre historique, et d'autres essayaient de trouver, retrouver une rue moderne hein, qui concilie euh, la, la bagnole et, 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 et les piétons. Donc je me demande si ces projets de mégastructures ou, ou, ou d'infrastructures... En dehors de leur formalisme, alors, ce qui est très frappant et qui nous, qui nous, un peu, nous, voilà, nous choque un peu, c'est l'extraordinaire formalisme aux beaux-arts de, de, de la composition. Mais je pense que derrière ça, il y a peut-être un certain nombre de préoccupations qui sont, restent un peu plus convergentes qu'on ne pourrait le croire à, à, à première vue. C'est une, une suggestion d'ignard. Mais ces journées sont parties sur des réflexions d'ignard au départ. Hein c'est complètement ça. Jean-Louis, qui veut peut-être répondre à David. On ne parle pas du Timten. Hein. Des Carlo était bien sûr un des fondateurs du Timten, mais on parle des Siam orthodoxes. Hein. Bon, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est quand même, le... et on peut dire que c'est une réaction du leadership des Siam qui est, qui est mis en cause, notamment euh, qui le sera déjà un peu à Rhodesdon et à Aix-en-Provence en 1953. Que de dire, on n'est pas, pas, pas que les vieux pères fondateurs, on est aussi capable de, de recruter, de former une nouvelle génération. Donc, ces écoles d'été, euh, le, le, je dirais, l'intersection entre écoles d'été et Tim ten serait un, un, intéressante à regarder, mais les écoles d'été, c'est une tentative pour, du noyau fondateur des SIAM de reprendre le contrôle. Et, et les thématiques ne sont pas celles du Tim ten. Les, les obsessions ou les points de fixation ne sont pas celles du Tim ten. Et, et d'ailleurs, on y trouve des gens tout à fait intéressants. Je me souviens en avoir beaucoup parlé avec un, un type qui n'a pas grand-chose à voir avec tout ça, qui, est, qui, était, qui, qui, qui était cubain, qui est Ricardo Porro, qui est un, un, un architecte lyrique néo-monumental extraordinaire. Mais et pour lui, les, les, les écoles d'été de Tintin avaient été absolument déterminantes. Oui. Et d'ailleurs, bon, toujours dans le registre de la discussion, c'est vrai que je, je rejoins euh, les observations. Euh, des choses qui m'ont aussi étonné euh, découvrant cette période-là, c'est que euh, du point de vue français, me semble-t-il, quand il y a eu la critique des mégastructures euh, autour des textes de l'archive d'aujourd'hui, euh, de Villers, Huette, etc., on s'appuyait sur euh, la leçon des Italiens, qui, aurait refait, qui aurait, nous aurait permis de redécouvrir le parcellaire, la rue, la vraie, pas, pas la rue à Notteur, pas la rue sur Dalle, etc. Or, on voit qu'à l'époque, ce n'était pas si simple de, de leur côté, à eux. Euh, et c'est un paradoxe qu'on voit un petit peu chez, chez Gregotti, où en fait, la, 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 la traduction de ces, de ces intentions territoriales, de cette, cette attention au paysage, c'est quand même traduit par des barres de plusieurs centaines de mètres de long euh, posées euh, perpendiculairement à des courbes de niveau. Donc, c'est vrai que ça, ça serait intéressant de, de voir si. On perçoit malgré tout dans cette époque, euh, dans le domaine du projet, euh, des, des architectes qui vont avoir euh, qui vont proposer le retour à un urbanisme un peu plus fondé sur le sol, la rue, le parcellaire, là où tu nous as montré plutôt les des, des dégagements vers la mégastructure. Parce qu'on a l'impression qu'à travers INACA, que c'était les premiers plutôt, les, 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 les premières versions. Qui portaient cette euh, tradition-là, que les derniers bon, Enfin, je suis pas sûr que tu aies les réponses à tout, ni personne. Mais... Ah, de, de, non, mais d'une part, non, après, c'est vrai que je me suis, euh, pour le coup, euh, con, concentré sur ces, ces deux archives, mais euh, c'est pas. Euh, y, comment dire Il <laughs> y, y en a d'autres, naturellement. Après, non, moi, je, je réagis sur, le, sur, sur ce que disait David Mangin. Euh, euh, je, je suis assez d'accord sur le, sur le lien qu'on qui, euh, qu pourrait faire avec Utimten, si ce n'est qu'effectivement, euh, alors, Timten, ce serait De Carlo, euh, mais y a pas, je, je n'ai pour le moment moi, pas trouvé de, euh, de lien euh, entre euh, cela et le Timten à proprement parler. Enfin, Quaroni, par exemple, et pas, euh, à ma connaissance, n'a pas participé aux travaux euh, du Timten, même s'il y a eu euh, une période où, avec de, la présence de De Carlo, euh, le Timten se réunit euh, aussi euh, en Italie. Hein. Je sais qu'il y a un rendez-vous qui est organisé par De Carlo, je me souviens plus... Euh, ou euh, par exemple Jenks est présent, Palais Smithson, enfin bon. Mais euh, le lien avec l'école et moi je l'établis moi, même si effectivement c'est difficile de ne pas y penser en voyant ce projet-là. Euh, Marco Miragui que... si, Sur la mégastructure, Tafuri sera en mm. quelque modo contrôleur. Molto severo della, della, del fatto che appunto la megastruttura, nonostante i, i suoi eh, iniziali innamoramenti nei confronti della città-territorio, però invece sarà il critico più severo della, della, delle megastrutture, e quindi il panorama architettonico italiano sarà in qualche modo eh, tenuto sotto scacco da questo punto di vista dall'opinione dall del tutto contraria di Tafuri, che influenzerà, io credo, un po' tutto l'ambiente e quindi alcune cose come dire, rimangono soltanto a livello progettuale. Il, il, il progetto di, di Fiorentino, cioè l'edificio di Fiorentino, verrà criticato da Tafuri anche eh, altrettanto fortemente. Eh, però appunto invece sull'asse attrezzato volevo chiederti, è interessante il riferimento cioè in quella composizione del gruppo, eh, c'è la componente raitiana, di Zevi, c'è la componente del piano bus giustamente di, di, che, che Quaroni riporta dentro con quei grandi cerchi, eh, Fiorentino appunto il, il suo contributo è, è altrettanto evidente, invece i, i passarelli volevo sapere se in qualche modo tu ne hai, ne hai, perché i passarelli sono due architetti importanti che a Roma producono alcune delle architetture degli edifici più innovativi mm. e, e pochissimo studiati, tu non hai visto nulla su di loro. De réponse, mais effectivement, euh, non, non, je, je, je pense euh, évidemment. Enfin, euh, c'est ce que je, qui commençait pour moi à émerger c'est qu'effectivement, chaque membre de l'équipe a eu à apporter une certaine influence et qu'on on on, on lit probablement euh, l'influence des, des uns et des autres. Enfin, je trouvais effectivement que c'était pas un hasard d'avoir quelqu'un un ingénieur comme Morandi présent sur un projet comme celui-ci, euh, alors que euh, euh, à première vue, c'était pas forcément le, la problématique centrale. Après, sur les passarelli, c'est bon en français quand je la réponse Devo fare italiano, va Mais, euh, okay. euh, et, euh, mais euh, sur passarelli, j'ai pas, pas creusé. Effectivement, ce serait. Euh, je pense qu'on peut, peut le faire pour, le, pour tous. Hein. Euh, S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'en arrêter là pour ce matin et de nous retrouver à, euh, donc un petit peu plus tôt que ce qui était prévu, euh, donc plutôt 13h45. Euh, voilà, comme ça, on, on pourra un petit peu rallonger quelques conférences de l'après-midi. La, de vous avez sur la table l'annonce pour une journée d'études qu'organise David Mangin sur des sujets encore éminemment urbanistiques, sur le, le, la question du Redville. Voilà pour qui douterait que cette école s'occupe encore de villes et de territoires.